Bienvenue dans cette reprise de Rage Quit. C'est la saison 3. On est en direct sur la chaîne de Bonsoir, Ken Boga, hein. De Monsieur Karaté. C'est là le son. Ah ouais, c'est. Et avec Biggie, Bicam Gaming. Bonjour. Bonjour, bonjour. Non, mais normalement, on t'entend, Ken. Hein, ah ouais soit. Oui, pas bah, bonjour, bonjour. Je veux pas devoir passer l'émission non, comme ça. Non, non, je te sinon, promets. On change de place. Faut le tourner un peu, non vu que faut j'ai tourner un peu la perche qu'on, bah, qui entre dans le champ, donc, comme dans les films. Là, bonjour. Le faux raccord, le perchiste. Le perchiste. Le perchiste. Bienvenue dans Rage Quit saison 3. C'est une saison avec Ken Boga en co-host et un invité par émission. Ce soir, nous recevons le grand Bicam Gaming, capitaine de l'équipe Arcade, championne de la Asen Cup. Bravo, au fait. Merci. Ah, merci. Félicitations, merci. J'étais pas là, mais. Merci. J'ai eu écho. Bah, t'étais au Japon, toi, avec l'argent du Patreon. J'étais au Japon avec mon argent du Patreon. Mon argent. Il est à toi. Si les gens te le donnent, il devient à toi. Après, on en fait ce que tu veux. Non, mais il a le droit d'aller au Japon. Quand bah, même. Bien sûr, et il a fait des vidéos pour ses Patreons. Voilà, tout à fait, tout donc, à fait. Si tout le monde est content. Bien sûr. Que j'ai regardé, j'ai vu quelques c'était vidéos. Formidable au Japon, sauf pour le rétro gaming, hein, les gars. Ah ouais. Il y a un vrai problème. Plus on n'a jamais dit, il y a plus rien. C'est vide, hein. C'est vide. Il n'y a plus rien. C'est cher. Il y a des cartes Pokémon. Ah, il y a des cartes rétro Pokémon. C'est un peu du rétro gaming quelque part. Du rico rétro. Les cartes Magic Jap sont très recherchées aussi. Ouais, de ouf. De ouf. Mais sinon, pour ce qui est produit jeux vidéo, la déception fut Yu-Gi-Oh. Très grande. Peut-être que après, voilà, il fallait peut-être sortir sur les extérieurs. Moi, je sais que j'ai un ami aussi qui est revenu, qui est allé il y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il y a eu un pillage total. Mais bon, moi, j'ai Akiba, que je salue, Akiba Connection, qui est là-bas en ce moment et qui nous avait ramené des très très beaux jeux Super Famicom pendant la Pixel Day. Et il m'a dit qu'il était en train d'en ramener d'autres et je l'ai missionné sur quelques jeux. En fait, c'est le seul moyen. Il faut connaître des gars là-bas qui travaillent un peu dans le milieu du rétro pour trouver les bons filons. Pareil, j'ai 2-3 gars qui sont là-bas, qui sont dans le rétro gaming et je leur demande des produits, ils les cherchent, mais c'est souvent sur Yahoo Auction qu'ils vont les chercher. Aujourd'hui, sur les stores Amazon, qui vendent aussi la faute au pillage des Armouters. Hein, c'est à cause de nous. C'est à cause des Armouters. Tout le monde a été motivé. Voilà, on a filé les bonnes adresses. On aurait pas mais bon, en vrai, tant mieux. Hein. Allons dans nos boutiques françaises. Ceci dit, bon, c'est un autre dossier, mais on en parlera un jour de réellement ce qui se passe au marché du rétro. Mais c'est un autre dossier parce que ce soir, on refait la Asen Cup 2023 qui s'est déroulée il y a 2 semaines au HFS Summer. D'ailleurs, dédicace au HFS Summer. Et Ken Bogard, tu étais pas là puisque tu l'as raté. Donc tu as raté ces merveilleux jeux puisque tu étais. Au Japon, Monsieur Karaté, dont la team, c'était pourtant une dream team, il y avait quand même Kiji, Kaikun, c'était Abdes. En fait, c'était une fausse dream team. C'était une bonne team si la compétition était honnête. Or, voilà, la compétition n'étant pas honnête... Honnête, à quel niveau tu veux parler? Je veux dire, au niveau de la façon dont sont agencés les jeux vidéo, la sélection, le choix, la mise en place. Mais bizarrement, il a perdu contre l'équipe de Biggie. Oui, il a perdu. Qui a gagné la compétition. C'est bizarrement, celui qui apporte son système de jeu, qui met en place sa config, et ben, c'est lui qui gagne. Alors, juste un truc, je n'ai mis en place aucune config. Simplement, il y a eu un seul jeu où il y avait une touche qui a été décalée, mais c'était vu avec la personne, en l'occurrence de Kiji qui jouait contre moi, qui m'a dit « fais-moi comme ça ». Je lui ai dit « comment tu veux que je te fasse ?» Il m'a dit « fais-moi comme ça ». J'ai fait comme il m'a demandé. Mais bon, ça commence déjà à rager alors que ça n'a ça pas commencé. Ça ne rage pas. C'est pas de la rage. On y est presque. Je décris juste comment ça s'est passé. On commence tout doucement à arriver. Mais ça s'est passé vraiment comme ça. Une équipe avec un vainqueur et deux autres équipes avec un perdant. C'est exactement. Ça et un rageur surtout. Okay, okay. Bah, la dernière fois que t'es venu dans l'émission, t'as perdu contre qui déjà? J'ai perdu contre TKO. Et il était avec. Avec personne. Du tout seul. Voilà. Bah, on peut voir l'honnêteté du gars qui ramène ses jeux. Voilà. Ça, c'est... Et il a encore amené ses jeux.
C'est lui qui fait les graphismes. Il a ramené ses jeux, mais donc, quel jeu, mais quel est-ce jeu qu'il, est-ce qu'il gagnera un jour si c'est pas son système? C'est ça, ça on ne le saura jamais. On verra ça bientôt, oui. Ça on ne le saura jamais. En même temps, ce soir, tu nous je viens, mais je ne joue qu'avec mes députés. Je voulais juste dire que j'ai pris mon avocat aujourd'hui, puisque la dernière fois, il a déposé une main courante contre moi. Ah, voilà, la main courante. La main courante. Bien sûr, bah, j'ai eu 5 jours d'ITT. Hein. Oui. Donc, quand tu as arrêté ma main, oui, là, oui, pour oui, le... Oui, oui, j'avais sûr, les marques. Les bleus, ouais. Je ne pouvais plus taffer. Donc, voilà. Je suis désolé. Chers amis, ce soir, donc, pour la première fois de cette émission, d'ailleurs, Karat et moi, on fait équipe ensemble. Ouais. Je ne sais pas si ça annonce une grande gagne, mais... Bah, franchement, vous êtes les champions de Hardbooter. Quelque part. Après, si on gagne, moi, c'est qu'on a vraiment gagné ce soir. Hein. Oui, mais quelque part, tu joues avec Ken Bogard, le champion de Capcom Sport Club de l'ère Capcom. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, moi, ce que j'aime avec Ken Bogard, c'est qu'il sait jouer. Il sait jouer à tous les jeux. C'est ça qui m'intéresse. J'ai joué à beaucoup, beaucoup de jeux, ouais. Mais je ne sais pas vraiment très bien jouer à tout. Mais ça, c'est vrai que je connais beaucoup de jeux. Des fois, je m'étonne. Voilà. Est-ce qu'il y a ton Agoriyuki? C'est ça, le Agoriyuki. Mais non, on fait pas de... comment ça s'appelle, là, le truc, là De toute façon, c'est une chatte roulette. C'est une chatte roulette. Ah, moi, je dis, Nago, tu peux le mettre dans quelques cussogues, il s'en sort bien. Hein. C'est vrai. Ça dépend quelle version. C'est vrai. Ce soir, c'est vrai. Tout pis. Non, mais c'était... En fait, ce soir, donc, on va refaire les meilleurs jeux de la SNK Cup. Ah ouais. Je précise qu'on va jouer avec les sticks arcade, évidemment, de notre partenaire PDP Victrix, le meilleur stick du monde dont tu as souvent parlé sur ta chaîne. Moi, j'ai hâte d'en parler bientôt, j'espère pouvoir en parler. Parce que j'ai eu l'occasion de le toucher un petit peu et c'est vraiment extraordinaire. J'ai quand même pas mal de sticks à la maison et celui-là, force est de constater qu'il est complètement... C'est la Rolls, très clairement. Ouais. Et je tiens à dire que, même grâce à ton copain, nous possédons l'ensemble des originaux qui seront joués ce soir. Tout à fait. Tous les jeux que vous allez voir, on possède les originaux sur PCB. Un peu partout. Donc voilà. Un peu partout. Avec 2-3 frères. C'est mais ça. Avec l'aide des frères, on a les originaux. Non mais c'est vrai. Il habite à côté. Oui, il habite juste à côté. Donc, non, mais... Et il y a moi qui en a quelques-unes quand même. Exactement. Et t'as raison. Préciser que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Oui. D'avoir, c'est très difficile de jouer à des jeux d'arcade et de les streamer. Oui. D'accord. Donc, évidemment, on n'utilise pas forcément tout le temps le matériel arcade. Par contre, c'est important de posséder le jeu original posséder. Pour pouvoir posséder le faire. La possession. Et on a tous, tous possédé quelque part. Posséder, au moins un jour, on a tous connu quelqu'un qui possède. Non, moi je possède, j'ai quand même. Je dois avoir au moins, on va dire maintenant, presque une trentaine de PCB quand même. Trentaine de PCB, ouais. C'est pas mal. T'as connu des gens possédés? J'en connais pas mal, ouais. On est possédé, ouais. Un mec dans le bus à Vénitieux. Il se bat tout le temps. C'est un exorciste de Ceci, ce soir, oui. À partir de maintenant, ça sera tous les jeudis soirs Rage Quit. Oui, parce que la dernière fois, on s'était quitté, c'était tous les mardis. Oui. Mais là, ça sera tous les jeudis, sauf le soir de la sortie de Street 6. Ça sera le vendredi, le soir de la sortie. Ok. Et, ouais. Et après, ce sera tout. Et il y aura des invités spéciales pour Street 6. Et après, ce sera tous les vendredis. Non, ce sera tous les jeudis. Ok. Parce que c'est le jeudi. D'accord. Sauf le soir de vendredi. Ok. Non, mais. Ah, c'est cool, enfin, pour la sortie Street Fighter 6, le 2 juin, on fera un Rage Quit spécial. Ah, ça c'est génial par contre. Ouais. Je serai devant mon écran pour vous regarder. J'espère qu'il y aura un peu plus de stick que de hitbox, mais oui. On verra. Ce soir, chers amis, il y a, pour cette nouvelle saison après le pilote, on a pu tester des règles. Ce soir, il y a des nouvelles règles pour la Rage Quit. On a hâte de les entendre, Guillaume. C'est ça, on veut les connaître. Parce que moi, je viens juste d'apprendre les anciennes. Hein, donc, C'est difficile. Ça ne sert à rien. Ici, on est sur des sables mouvants tout le temps. Voilà, et d'ailleurs, les gens qui font nous et nous, là, qui se trompent pas, qui c'est qui l'a fait? Ah, c'est lui, lui. Bah, t'as quand même un avantage là. J'ai un avantage, bien sûr. Non, parce que ce soir, personne ne choisit le jeu, étant donné que les jeux, regardez, c'est magnifique, ils seront dans une roulette. Juste, je peux faire les jeux seront tirés au sort. Je fais une dédicace à Xavier pour Street Fighter 2 Mix, qui est son jeu du cœur absolu. Le Xavier. Alors, nous avons sélectionné les meilleurs jeux de la SNK Cup, et ils seront tirés au sort. On peut voir qu'il y a pas mal. Ouais, et il a gagné avec son J-Carne contre... J-Carne sur World Heroes 2. Oh, mais c'est Deathmatch. Eh ben écoute, il avait mon âme avec lui. Voilà. Alors, c'est la Rage Quit Roulette.
Tu vois, et donc on voit dans les jeux, il y a notamment du Street Fighter 2 Mix, on en parlera s'il est tiré, du Rainbow Eyes of Typhoon, un des jeux Superior Soldiers. Qui est supérieur. J'en connais quelques-uns. Fight Fever, Dream Soccer 94, ce n'est pas un jeu de foot, c'est un jeu de combat. Pas le droit de mettre SNK versus Capcom. Bah si, Snap Fight, bien sûr. Savage Reign, Slam Masters 2, Double Dragon et Aggressors of Dark Combat. Que des Palma des Tigres. Palma des Tigres. Palma des Tigres, c'est vrai. Alors, c'est la main du démon qu'il avait surnommé l'année dernière Ken Bogard au HFS. Voilà, donc en fait les jeux sont tirés au sort, donc plus personne pourra, quelle que soit l'émission, il y aura une sélection de jeux faite en amont, mais ils seront attirés au sort. Et la sélection sera faite en collaboration avec Monsieur Karaté et Ken Bogard. Let's go. Je te demande si tu peux rappeler les anciennes règles avant d'énumérer les nouvelles, afin de voir les différences. Alors, mais il y a quand même des points communs. Est-ce qu'il y a un site pour consulter le patch note? Le règlement, s'il vous plaît. Xavier qui est là. Qu'on embrasse, on voit Xavier. Bien sûr, le salam à Xavier. Salam, Xavier. Alors, Si tu veux, j'explique les règles. Donc, les jeux sont tirés au sort. Continue. Chaque jeu est joué en 2 versus 2. Winner stays on. Winner stays on. Donc, celui qui gagne reste. Mais qui commence? Ah, ça, c'est des Shifumi pour savoir. Shifumi qui commence. Savoir quelle équipe annonce son perso en premier. 1 versus 2, mais en fait 1 versus 1 x 2. Voilà, c'est ça, c'est 1 versus 1 et 1 versus 1. Non, non, c'est pas A contre A, B contre B, c'est en winner stays on. Ah, c'est en winner stays on. Celui qui gagne reste. C'est A contre C, puis A contre B, ou A contre C. A contre C à l'infini, tant qu'il gagne, winner stays on. C'est ça ? Voilà, en FT1. En FT1, voilà. Je suis perdu. Je suis perdu. Le premier. Aidez-moi, de la je team suis affronte le premier de l'autre. Est-ce qu'il y a ChatGPT pour essayer de gagner? Il y en a un qui gagne. ChatGPT affronte le deuxième de la team. Vous pouvez demander à ChatGPT de nous expliquer. Mais si et seulement si. Non. Si. Au bout des jeux, à un moment donné, il y a le bingo final. C'est un jeu qui rapporte chaque victoire rapporte un point. Chaque jeu rapporte un point. À la fin, il y a le jeu final. Qui rapporte plus de points. Il rapporte 5 points. Bah attends, mais ça sert à rien de jouer aux autres alors. Ah non, parce que tu peux avoir moins de 5 points d'écart. Excusez-moi, j'ai pas les diplômes nécessaires pour comprendre. Le jeu final est un jeu mystère choisi par l'invité. Il n'est pas dans la roulette. Il est juste joué à la fin. Ah mais oui, c'est vrai. C'est toi qui as choisi le jeu final. Sachant que chaque jeu rapporte un point, mais tu peux faire avant que dès qu'un jeu est tiré au sort, chaque équipe peut décider si elle fait cheat ou double. Cheat ou double, en gros, ça veut dire que si tu gagnes au jeu qui vient d'être tiré, tu prends 2 points au lien d'un. Mais si tu perds, c'est moins 1. Et l'équipe adverse prend 1 point. C'est très très chaud. Comprendre pour nous deux. Qui tout double quoi? Bah tu prends 2 points au lieu d'un. Mais si tu perds, c'est moins 1. Attends, on est d'accord que qui tout double, c'était pas une règle qui existait avant ça. Non, c'est nouveau ça. C'est nouveau, ça c'est cadeau. Tiens, mange ceci et mon corps. Mais attends, mais est-ce que je peux guaquer le jeu ou pas? Non, il n'y a pas de guac. Non, y a pas de... tu peux pas guaquer le jeu. Je peux pas guaquer le jeu. Non. Est-ce qu'il y a Rush Kid quand même? Ah, il y a toujours la règle du Rush Kid qui est la même qu'avant. C'est quoi la règle du rush quit? Donc, si quelqu'un, si tu estimes que quelqu'un dans l'équipe adverse a ragé, tu dis il y a rush quit, le rush quit apparaît, un vote est demandé au public, si le vote confirme que la personne a ragé, d'accord? Salut Shinstead. Si le vote confirme que la personne a ragé, c'est plus 3 pour ton équipe. Alors, si le public dit que la personne que tu as call rush quit n'a pas ragé, c'est moins 3 pour ton équipe. Okay. Est-ce que je peux quitte ou double un rush quit? Ah, attends, nouvelle règle. Ah non, je cumule moi. Faisais Veskill, mais non, vraiment, le rush quit, c'est en dehors du jeu, c'est pas possible. Il y a Vincent. Salut Vincent. D'accord. Vincent salut, qui dit. Éventuellement, on réfléchira pendant la soirée si on rajoute la règle. Télécharger. 4 terrains. Il m'a envoyé le PDF, j'avais pas la place. Non, mais si tu veux soumettre une nouvelle règle, ça va, il y a une commission qui se réunit. Ah ouais? Ah oui. Tous les solstices les okage, les règles. Voilà, tous les solstices d'hiver, à l'heure de la cinquième lune, ils se réunissent, et là, à ce moment-là, tu peux proposer, via, si bien sûr, tu avais fait l'accusé de perception. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de tout double du rage-kit, donc tout va bien. Salut Fanou. Salut Fanou, toujours merci. Hein, merci. Fanou, et Black, on salue aussi. Alors, je vous propose, chers amis, oui,
tout de suite attaquer cette compétition. Let's go, vas-y, vas-y. Prenons les sticks. Biggie, prends le stick blanc, Victrix Arcade Pro. Évidemment, pendant l'émission, il y aura les nouvelles manettes Xbox Victrix à gagner. On peut montrer, elles sont juste elles là. Elles sont là, elles seront à gagner pendant l'émission. Il y a ici la deuxième néon noire, et vous avez aussi le pad Tears of the Kingdom. Ah, ouais. Le jeu vient juste de sortir, on a déjà le pad PDP qui sera à gagner. On salue Balier qui est dans le chat. Ah, c'est Balier que t'aurais dû prendre. Balier ? Ah bah oui. Balier, ouais, mais il est trop loin, Balier. Non, mais dans ton équipe, je parle à... Ah, il était au HFS. Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut lancer le premier jeu ? C'est parti, Rouletto. Rouletto. Donc on va lancer la première roulette. Désolé, on est toujours sur XSplit, donc il est possible que ça marche pas. XSplit, parce que c'est rétro. C'est rétro. Let's go ! Est-ce que t'as pas une petite musique genre Raffle Time ou un truc comme ça? T'as rien? C'est voulu les petites emotes là? Oulala, ça commence tout de suite! Par du très long! On attaque avec le meilleur jeu possible de la soirée. Donc alors, on enlève, évidemment le jeu ne peut pas être retiré, donc on va le remove de la roulette. Et du coup, il peut pas le retirer, chef-d'œuvre absolu donc il le retire. Oui, ouais, on est d'accord que c'est ce qu'il vient de faire. Non, hein. On peut pas le retirer au tirage, donc on le retire des possibilités du tirage. Putain, c'est tellement fort. Ouais, t'as vu il a... Si quelqu'un vient de comprendre cette phrase... Il arrive à contre-péter tout seul. C'est ça. Il retire le retirement, lui-même intrinsèquement tirer le chat roulette. Oui, bien entendu. Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous présenter Superior Soldier, ce que les gens ne connaissent, ils connaissent pas ce fabuleux jeu. C'est fabuleux jeu qui était, je pense, le meilleur jeu de baston présent au HFS. Hein, dans c'est le vrai, c'est vrai. Il a dit un mot et son contraire avec le même mot. C'est exactement ça. Franchement, t'es trop fort. Je sais pas quel talent il faut. Mais, mais même Raymond DeVos, il faisait pas aussi bien. Ah frère, je vais tout appris. 360 kickflip, hein. Et on tombe sur ses pattes. Donc, Superior Soldier, c'est un jeu de combat de IRM. Donc qui est juste incroyable. J'aimerais tellement faire découvrir le jeu à Ken. Je pense qu'à ce moment-là, je vais donner plutôt. Faut que tu y joues, Ken. Mais oui, exact. De toute façon, toi, tu connais. Je connais. Ouais. Donc tu me laisses. Au limite, je perds. Mais après, toi, t'assures la game. On est d'accord. Tapis sur Star. C'est, on m'a dit, c'est une seule victoire. Non, mais c'est si je perds, c'est toi qui joues. Tu peux me passer le. Ouais, mais sur Superior Soldier, ça va être toi forcément. Ça va être moi qui va perdre ou ça va être moi qui vais jouer? Non, je peux pas jouer, ça va être trop dégueulasse. Mais il faut absolument que tu joues cette personne. Tu peux jouer le deuxième personnage, s'il te plaît, monsieur Karaté? Ouais, alors. De quoi? En plus, tu joues contre SNK. Donc c'est parfait. Donc je rappelle qu'au cours du HFS, on a fait une petite dose sur ce jeu. Et j'ai moi-même créé la méta Saint Insecte. Et là, le problème, c'est quand j'ai créé cette méta. Laisse-le parler. Les gens ont copié des gens lyonnais dont le pseudo commence par Biggie et qui finit par Kamel, qui ont copié les jutsu. Oh merde, t'as pris Katidoc. J'ai pas fait exprès, j'ai pas mais Guillaume, SNK a continué sur son reptilien. Ouais, il a un reptilien. Et il a un très bon reptilien. Donc en fait, c'est un jeu très respecté de combat dans la commu. Hein. Voilà, donc il joue en 3 boutons, c'est 3 points, 3 pieds. Elle a totalement un tatsu. Elle a un tatsu qui fait du 3 hey, voilà. En garde. En plus. Bien sûr, flamme au cas où. Voilà. C'est pas facile. Voilà, ça c'est bien refait. Non, tu dois refaire. Reptilien. À cette distance-là, c'est distance d'Aigo. Non, mais attends, il a pas choisi son perso. Ah bon, c'est le timer. Attends, du coup, il rage quitte alors. C'est le timer. Ah bah non, du coup, il rage quitte. Non, je vous jure que je voulais pas. Il a pas eu son perso. Non, il l'a dit dès le début. Il a objectivement dit dès le début. Bonjour, le timer choisi le perso. Attends. On laisse passer des choses. Non, je vous promets, il n'avait pas choisi son perso. Mais donc tu m'expliques. Donc, le jeu, c'est un jeu en 6 boutons. C'est 6 boutons start. Voilà. Ça fait genre, ça n'a pas compris. Là, en haut, t'as un Shoto, c'est un Shoto lui. Lui, c'est un Shoto. C'est un Shoto. Non, mais toi, tu prends le samouraï. Mais oui, moi, je suis un joueur de samouraï. Le Bushido.
Bushido. Bushido. Voilà, c'est ça. Faut savoir que Cell, c'est son main. Il main ce personnage. Ah ouais? Ouais. Cell, grosse dédicace à Cell. Il est pas mauvais d'ailleurs. Franchement, il a eu le respect de la commune. Avec le, il a pas fait son Bushido. Très bon Bushido. Ouais. Je pense que c'est le meilleur Bushido actuellement. Sur je pense mondial, ouais. Sur la scène mondiale. Donc on est d'accord, la garde c'est arrière, 6 boutons, incroyable. Exactement, 6 boutons pour un jeu qui n'est pas Capcom, c'est quand même fou. Et il y a des backdash et des dash arrière. Oui, oui, tout à fait. Okay. Et en fait, t'as des coups en dash, t'as beaucoup de coups en dash. Voilà, la distance des autres, tu veux faire. Non, tu veux faire la route. Voilà. Et il y a des combos, il y a des combos, faut savoir. Voilà, au sol. Et. Tu saupoudres. Voilà, tu saupoudres. C'est ça, c'est propre. Oh, il est propre. Ce reptilien. Il a tapé sur ce reptilien. Non, mais ce reptilien. Oh là 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 là. Mais ce reptilien. Vraiment, je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Et franchement, c'est propre. Ah, c'est propre. Il est de la merde. Ah non, le reptilien. Attends, j'ai joué à tellement de la merde que je joue Donc voilà, c'est un jeu, un second couteau de Hyrem. Faut savoir que le jeu est dans le lore de R-Type. Bah oui, il faut quand même le dire que ça c'est très important. Dans le multiverse. Hein. Le multiverse de R-Type, effectivement. Voilà, garde est puni, garde est puni. Ouais, j'essaie, mais c'est pas si simple. Il a un dragon. Tu peux comboter, il a un dragon, ouais. Tu vois, tu les coups en dash, t'as vu les coups en dash? Mais j'arrive pas, hein, je te jure. Il a totalement un dragon, il a. Tu connais, merci. Ouais, parce que, ouais, ça c'est. Voilà, la flamme. Bien joué ça. Cell, il aurait pu nous donner des bons petits. Des bonnes petites infos sur celui-là, mais avec son Bushido. C'est incroyable. Oh oui, propre. Ah, j'ai essayé de sauter, mais c'est. Dans le start. La rouline est tellement. Mais ce reptilien. Bon, ce reptilien. Ça donne envie de doser. Bon, désolé, Biggie, j'ai essayé de faire ce que j'ai pas trouvé. Que tu découvres j'ai pas trouvé le dragon, hein, par contre. Hein. J'ai essayé de faire dragon point, ça n'a rien de. Ouais, il y a des affiches d'enfants, mais c'est. Ouais, c'est bien animé, hein. En vrai, ouais, il y a des Bushido Blade. Il y avait des points de cancel, il y avait tout, hein. Le cadavre exquis que je salue, qui est dans le chat. Salut à tous ceux qui arrivent. T'as pris ton perso. Biggie, vas-y. Ah, mais c'est à moi de jouer. Perso, bah oui. Start, tu prends ton perso, mais, hein, mais on peut le tien, le même jeu. Celui à toi. Mais je pas le cet insecte. Non, pas lui. C'est le gotcha. Il prend mon perso. Il prend mon perso. Après que je l'ai bourré toute une nuit avec. Toute une nuit, je t'ai bourré. Attention, il m'a fait la face du petit frère. On le bourre. Et bah, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend. J'ai vu l'allonge du perso, c'est un truc de ouf. Mais il était trop dégueulasse. Je suis désolé, je pouvais pas le prendre. Oh. Ah ouais. Allez, dash attack. Oh ouais, magnifique. Tu connais. En fait, t'as réussi à taper. Fais-le au sol. Fais-le au sol. C'est la flamme au sol. Merci. La flamme au sol. Poil entière. Oh, y'a pas besoin d'entière. Ah bah, bon. C'est le sol. Oh, bah, quand il est dégueulasse. Il est stylé. Justement, il voulait pas le jouer parce qu'il était trop moche. Moi, je l'ai pris, je l'ai adopté. Non, mais au début, t'avais un reptilien. Au début, t'as dit, j'ai totalement un reptilien. C'est décevant, les dégâts de la chope, là, par contre. Non, mais j'avais pas vu qu'il y avait... Il y avait cet insecte dans le jeu. Quand t'as mis le jeu, j'ai pris cet insecte direct. Oui, c'est vrai. Il a le vert, mais il a pas le rouge. Mais il a le short. Il est mi-bois.fr. Ouah, le short, non. Ça, je suis plutôt short. Prends compte, tu peux enchaîner ça avec ma gros pied sans qu'il puisse faire quelque chose. C'est safe en plus. Pourquoi ont-ils inventé ça? Oh, mais ça veut rien dire. Il a chatac en secours. Oh, le paillette là. Oh là là là. Prends compte, c'est safe. Insane. C'est insane. Montre-lui le vrai. Montre-lui l'original. Bah, non, il n'a pas le droit de choisir. Attention, il a dit la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de choisir le même perso qui a été choisi. Par... Ah bon? Tu l'as pris. Ouais. Ah non, tu l'as dit. Là, moi, pour moi, je peux inviter le Rush Kid. C'est lui qui a donné sa règle. Karaté a dit... Mais non, c'était pour rigoler. Allez, tue-le. Montre-lui l'original. Montre-lui le vrai. On est d'accord que nous, on a la couleur du 1. T'as la couleur violette. Non, mais nous, on a pas la couleur violette. TP2. Non, mais on est orange, nous. On est P2. Ouais, c'est Karaté qui a la couleur du guac, évidemment, le violet. Ils zoom bien. Hein. Alors, regarde, instant de casse-garde. Ouais, c'est. Ce gros point, il est tellement sama. C'est dégueulasse. C'est quoi ce combat du pire? Le combat du pire. Paye la distance de la balayette, ça me rend fou. Eh, il a fait double touche, hein. Ah, mais... Oh là. Le vrai Satan. Je l'ai battu tout à l'heure. Quand il fait le Psycho Crusher, il fait juste tout l'écran. Tout l'écran, mais et ce sont son bas gros pied, il y prend tout l'écran aussi. Ça n'a aucun sens. Le vrai Satan Sect, hein. La chape, c'est juste une direction plus de bouton.
Oh là, ça c'est pour soi, pas pour soi, personne ne saura jamais. Hein. Ah, mais c'est comme si Dalsim avait des... Oh, regarde, t'as vu les dégâts. Le combo, le 2 hit là sur le saut au gros point, il fait trop mal. Vers la distance. Je me suis dit... Si, si. Le vrai a gagné. Il a gagné avec la couleur du stick, c'est incroyable. C'est vrai. C'est la couleur. C'est un stick spécial, c'est un insecte. Qu'est-ce qui se passe sur la dernière? Bah, je vous ai... Ouais, là, t'as gagné. Bon, j'ai gagné, vous avez perdu. On peut changer de jeu maintenant. On vous a bourré. Oui, il y a un point. Bien joué, bien joué. Un point. Mais vous savez quoi, ça me donne. Le vrai cet insecte a gagné. Tu vas doser. Il est magnifique, le jeu. Incroyable. Il est dynamique, c'est un peu samouraï. C'est un peu le samouraï, mais dans le futur. Dans le futur, exactement. Ça, c'est la Maison Blanche derrière. Oui, oui, la Maison Blanche après l'Apocalypse. Mais bien sûr, oh, la fameuse Apocalypse. Je remonte un peu de jeu pour que les gens y voient. Pour que les gens y voient, c'est juste pour qu'ils découvrent un peu pendant que Karaté tue le CPU. Alors, finalement, est-ce que ça, c'est pas mieux que le nouveau Mortal Kombat? Là, j'ai fait le coup en dash. Et tu t'es sauté en Tiger Knee, incroyable. Ouais, et t'as sauté en même temps. C'est moi qui l'a trouvé, ça. Ouais. Les gars, ouais. D'ailleurs, c'est toi qui as trouvé le gameplay de ce perso-là. Ce perso, surtout. Et il était. Oula, le dragon, il touche derrière. Il avait un vrai dragon. Il a des technologies. Il a un Tatsu avec un casse-garde et un bag. Et il touche au sol aussi. C'est Breaker's Revenge. Ah, c'est mieux que Breaker, c'est respect. Breaker, c'est zéro. Bon, en tout cas, il y a un zéro formidable. Ouais, formidable. Et bravo, Monsieur Karaté, qui a l'original Saint-Assec. Star Saber, qui évidemment n'a pas de sabre. Ouais, qui n'a pas de sabre. Ça, c'est un détail. C'est comme Star Lord, qui n'a pas de Lord. Et lui, il a pu se battre avec une épée. Mais ce que je comprends pas, c'est que le perso a des animations trop stylées. Par contre, sa stance, on a l'impression qu'il a un balai où il faut pas. Abba me demande si ils ont fait d'autres jeux de combat. Non, c'est le seul. C'est le seul. Et je pense que ça restera le seul à tout jamais. En même temps, il y a 6 persos. Donc, bon, on est d'accord que c'est mieux que le nouveau Mortal Kombat et que tout ce qui est. Ou les Street Fighter 6. Voilà, non, mais il y aura des caméos dans Mortal Kombat. Donc peut-être. Et bah, dans Saint-Insect. Regarde, tu dis dans Saint-Insect, il n'y a pas des caméos. Peut-être un Saint-Insect, voilà. Avec un skin de Van Damme. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon. Bien sûr. Il est temps de passer au prochain tirage. Vas-y, let's go. Oui. Bon, désolé, Biggie. Hein, non, mais c'est pas grave, tranquille. Tranquille, on aura le temps de se... Le meilleur à gagner. Là, on y va? Là, c'était dur. On est parti pour le prochain tirage. Finalement. Vas-y, c'est ce qu'on veut voir, nous. On veut voir, bien sûr, du beau jeu. Alors, sur quoi on va tomber? SVC Chaos Plus. Je vais retirer... Enfin, tu vas retirer le tirage de l'entrée dithyrambique. C'est ça. SVC Chaos. SVC Chaos, excellent jeu du reste. Le plus? Le plus. Le plus, ouais, le plus. Je sais pas. Faut qu'on joue sur le plus. Si, on va jouer sur le plus. Je commence du coup, je suis plus nul. Je vais laisser Ken, peut-être que... Vas-y, je prends. Il a totalement... Tu sais pas jouer à ce jeu. T'as pas joué? Non. Normalement, les jeux SNK, Ken il connaît. Non, mais j'avais. Ouais, j'ai joué un peu, mais j'ai des restes. Des vieux, vieux, très vieux restes. Je me rappelle plus de ça, super. En fait, ça dépend vraiment de qui il prend, parce que là, si c'est le plus, ouais, c'est moi qui dois appuyer sur Start en premier. Ouais, et surtout, on est en 4 boutons, juste pour te dire la config. Ouais. A, B, C, D. A, B, C, D, hein. Alors, attends. A, B. Appuie Start. A, B, C, D. C'est moi qui appuie, là. Appuie pas, s'il te plaît. Versus. Mais versus. Premier bouton. Ouais, c'est bon, ok, on est bon. Et on a les persos donc cachés, les persos obscurs. Ah, y'a pas la gargouille? Si, normalement y'a tout. T'as vu, y'a Orochi et tout. Attends, c'est bien le plus. Tu peux nous parler un peu de ce jeu, Karaté? C'est le jeu où je suis champion du monde. Incontesté. J'ai gagné le tournoi à Cannes, un tournoi de renommée internationale. Alors, c'est un excellent jeu pour schnapser, mais peut-être pas un excellent jeu tout court, mais en tout cas, moi j'aime bien. C'est un jeu de chercheur. Voilà, alors vous savez qu'il y a eu Capcom versus SNK, et il y a eu aussi le Universal de je ne sais pas quoi, la réciproque de Thalès, et qui est donc SNK versus Capcom. Et le jeu, il est adapté à... Mais pourquoi il marche pas le truc en l'air là? Mais c'est que SNK était plus honnête par contre que Capcom. Mmh. C'est-à-dire que les persos de Street Fighter de Capcom sont aussi, ils sont très forts. Là où dans
Dans Capcom versus SNK, il y a vraiment pas beaucoup de persos. Il y a quand même il y a des galles de folie. Moi je sais que Colette est venue de jouer chez moi. C'est pas le gars qui a pas de charge sur les Sonic Boom. La tyrannie, exactement, c'est une charge partition Sonic Boom. Ouais. Je charge partiel et Sonic Boom. Là, j'ai pas besoin de recharger, en fait, je charge une fois et okay. C'est pour ça que je peux ne pas m'arrêter et faire Sonic Boom. Et c'est pour ça que les persos de Split sont très forts aussi dans SNK. Moi, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque quand il est sorti sur Neo Geo. Et j'étais ultra hype parce que je me suis dit de voir le perso de Street Fighter en mode SNK, j'attendais que ça. J'étais fan quand même de SNK, même si j'aime beaucoup Capcom. Et j'ai été très déçu. On s'est vite ennuyé à l'époque avec KX, un gros dédicace à Frérot. On a joué chez lui dans son antre sur ce SBC Chaos. À l'époque, quand il était encore chez sa maman, au Nuggets, en pyramide, on jouait chez lui, c'était bon. Mais bon, voilà, j'ai jamais vraiment apprécié ce jeu, moi, personnellement. Du coup, j'ai jamais... Putain, c'est relou. Je préfère largement CVS2, on jouait à l'époque aussi chez lui avec les mecs avec les mecs d'infogramme, avec Rota, tout ça là. C'était la bonne époque CVS2. Tu veux plus dire ça, il y a pas de problème. Tu veux plus dire ce niveau de GG. Merci, j'ai tout donné. Hein. Le beau jeu, le beau jeu. Donc il garde la manette, c'est pas du tout. Ah, voilà, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais qu'est-ce que je t'avais dit de quoi? Fais attention. Mais j'ai fait attention. C'est la badouille. C'est le... Non, c'est le stick, il a le fil, il a pris le... Il a pris le micro. Ah, mince. Est-ce qu'on nous entend toujours? Allô, la terre. Une seconde. Il y a pas le... Je peux reboot? Non, c'est bon. Le choisir, j'ai pas... Non, il a pas choisi mon perso. On va rebooter. Attends, mais peut-être que je peux reboot direct comme ça. Non, tu rebootes comme ça. Voilà, juste comme mais il y a pas la gargouille alors fais, normalement, si. Hein, mais... Reboot Non. Reset and apply. Reset and apply. Il n'y a pas la... Ouais, il y a pas la gargouille alors dans le jeu. Normalement, c'est le chaos, ça doit être le plus, regarde. Mais peut-être qu'il faut... Je sais pas. Va sur la droite. Appuie sur Start. C'est bon, t'entends? Bah, il y a Monsieur Karaté déjà. Ouais, mais non. Normalement, il y a la gargouille quand t'es fait. Les gars, il est fait pareil, hein. Eh, ça suffit, hein. Ça suffit, sinon j'appelle un rage kit, hein. Y'a pas alors. Y'a Violent Ken, y'a pas Violent Ken. T'as un Terry? Non. C'est toi qui as pris Terry? Bah, j'ai pas pris, c'est le temps en fait. Alors, choisis un perso. D'accord. Qu'est-ce que tu peux avec? Et parce qu'il y en a, ils sont cachés. Est-ce qu'il faut pas le mettre en version Jap pour avoir la gargouille? Je sais pas. Pas une histoire comme ça? Va à droite, c'est dans les Capcom, ils sont. Faut sortir de l'écran. Il y est pas, il faut faire le code. Ouais, faut faire le code. Pourtant, c'est la version plus. Il y a peut-être un code à faire. Prends quelqu'un quand même. Je prends Mars People pour le schnapps. Deux secondes. Je prends Mars People pour le schnapps, mais. Mais ton jeu, on peut pas perdre à ton jeu. Bah, mon jeu, sans mon perso, qu'est-ce que c'est mon jeu finalement, hein. Je demande. De ton Mars People. Ah, j'ai un petit Mars People de. De People. Sympa ce Mars People. Ouais, il est chaud. Ouais. Ce Mars People. Non, mais déjà pour qu'il joue un perso comme ça veut dire qu'il connaît le jeu déjà. Ouais, il sort pas à Mars People de son chapeau. Bah, c'est son jeu quand même. Ouais, c'est un peu son jeu. J'ai rien squat. Mais il prend que ça le perso. Il fasse pas le mec dégoûté parce qu'il a pas la gargouille quoi. Alors qu'il a un Mars People de folie. Monsieur voilà. Karaté, s'il vous plaît. T'as la super ou pas? T'as le jeu personnel. C'est pas pareil que dans... Je sais plus c'est quoi la super. Oh là là, la distance avec le Mars People. Ouais, c'est un truc de dingue. Ah, ça rigole moins maintenant, hein. Y'a plus un perso qui fait la moitié de l'écran. Là, le Mars People, il est en train de... Il est chaud. Le Mars People... Oh, il a un téléphone et tout. Ah oui, il appelle sa meuf en plus à la fin. Il a un téléphone. Ouais, il a demandé pas le téléphone à ce téléphone. Il appelle sa meuf. Il a juste à sauter. Il y avait un StarTac quand même. Un StarClack.
Voilà, c'est impossible. Tu peux faire super, Gilleman. Je jure que c'est très, très dur. Oh, il est... Oh, 2 hits à chaque fois, je me fais avoir. Ouais. Oh, il en tire. Ça va être compliqué de... Ah, il a un morceau. Ouais, il a un morceau. Ouais. Ouais. Oh là, il est toujours à fond. Ouais, la prio. Il a rien, mais là, il te coupe la priorité. Prio, la priorité à droite. La prionnelle. C'est la prionnelle. Non, mais là, c'est... il y a totalement... Ah, mais c'est vrai qu'on peut faire ça dans le jeu. Rappelez-moi les règles, est-ce qu'il n'y a pas de bouton plus fort? Il y a les deux pieds forts, je crois. Tu marches people, t'as un troisième. Bah, t'as light kick, le petit gros pied quoi. Oui, c'est comme un jeu SNK comme un coffre. Ouais, il n'y a pas comme dans Samurai Shodown. Et donc, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ce jeu, Ken, selon toi? Non, c'est une merde. Non, en fait, le jeu était bien parti. Le problème, c'est que tu peux faire cancel. Avec un dash. Bah oui, ça a aucun sens. Tu peux... Donc en fait, celui qui tombe dans la garde a perdu. C'est dommage. Hein. En fait, quand tu sais jouer. Ah, le bookie de Biggie, attention. Bah, j'avoue que ça, c'est. Tu peux faire au moins saut boule. Tu peux faire saut boule à Biggie. Oh, Biggie, il a un bookie. Hein. Et je pense que vraiment, il est invincible aussi. Mais Mars People. Hein. Ouais, Mars. Mars, Mars People. Le Mars dans People, là, je vous le dis. C'est quoi ça? C'est deux bas moyen pied. Ouais, en fait, si tu fais bas arrière. Gros pied, c'est le bas moyen pied qui sort. Ah, ok. Voilà. Si tu veux faire balayette, il faut pas. C'est pas simple. Ouais, c'est pas simple du tout. C'est le projectile stagnant et t'as, ouais. Il a le droit de toucher. C'est Mars Secret People. Ouais, c'est grave, mais. Ouais, c'est abusé. Ça compte le dragon. Ça compte le dragon. Mais regarde, ouais, le Star Pack aussi. Ouais. Mars et ça repart, c'est bien dit ça. Il me semble qu'il est aussi dans Nejibaku. Bah oui, moi je joue dans Nejibaku. Il est dans Metal Slug. Dans Nejibaku, oui. C'est dans Metal Slug, bien sûr, mais dans Nejibaku Battle Collection. Un excellent jeu. Karaté, c'est son jeu. Un nouveau Battle Collection, ça. Mais fais des super karaté, t'es chargé max. Je connais pas. Bah, pour un truc, ça va sortir. Attends, je vais essayer de faire les œufs, mais non, ça marche pas. Mais non, mais reste sur son pied, ça marche. Oui, bah gagne quoi. Ah, mais c'est un joueur. C'est dur, hein. Ah, ça commence à mal parler, hein. Non, mais je veux dire, le Mars People. Tu sautes à Tsumaki, il fait pas gros points. Ah, bien joué. Ah, oui, bien vu. Ah, ouais, là, tu fais balayette parce que ça a fait la mauvaise direction parce que tu pensais faire vraiment maintenant. C'est ça. C'est bien. Il faut qu'il y a 4 boutons. Ah là là, ils vont nous voir. Ouais, ils nous ont violé là. Et là, tu as la baraque. Je suis admiratif. On a été puni par le Mars People. C'est injouable, il a dit c'est injouable. Tout simplement. Oui, en vrai, ouais, c'est très difficile. Chaud, quand le Mars quand People. Tu sais pas. Quand t'es mauvais. Quand tu sais pas contrer ça, bah, c'est donc, très difficile. Quand tu sais pas, t'es mauvais souvent. Oui, c'est ça, c'est tout. Mais bon. T'es plutôt mauvais aussi, tu vois, mais c'est plus garanti quand même. Je fais un gros bisou à Dame Spation Neo Geo qui est là. Je t'embrasse, mon pote. C'est un très très bon. Ben, vous l'avez. Oui, Mars voilà. People. Mars People. Donc, gros bisou à Dame. C'est beau quelque part. Oui. Que du beau jeu ce soir, chers amis. Très beau. Écoutez, jeu. Pour le moment, il y a 2-0. J'aimerais. On sent un peu l'avantage. J'ai lu, on sent un agacement qui commence à monter. Ça va, moi je t'ai battu. Franchement, je t'ai battu en faisant que des Sonic Boom, c'est exactement ce que je voulais, je suis très content. C'est dommage qu'on n'a pas marqué de points, mais on va revenir, t'inquiète, il y a des jeux qui arrivent. Bah, il reste 10 jeux quand même. Il reste quand même 10 jeux. Ouais, même pas mon perso, je vous ai. Et oubliez pas que quand vous avez le jeu, vous pouvez faire quitte ou double, si vous êtes sûr du jeu et de gagner. Ouais, moi j'ai un Dream Soccer 94. On tourne la roue de la fortune. La roue de l'infortune. De l'infortune. Pour c'est tirer pas mal. Les jeux retirables. Alors, qu'est-ce qu'on va retirer? J'ai un Eye of the Typhoon aussi. Hein. J'ai une Natasha. En versus. Oh non, la punition. Ah, il me faut Sharyban. Rendez-moi mon Sharyban, s'il vous plaît. Oh là là, non. S'il vous plaît, rendez-moi Sharyban. Ça, c'est ton game, hein. Alors, je l'explique. Attends, garde le stick pour l'instant. Je explique comment on va jouer en versus. Explique les règles. L'idée, c'est que, parce qu'on est deux du coup, en fait c'est très simple. On a chacun un crédit, ça correspond à deux barres de vie dans le jeu. Ouais. En fait, tu démarres avec une vie.
Et bah. Première vie, tu passes. Dès que tu perds une barre de vie, tu passes à ton collègue. Okay, et la première équipe qui perd le crédit, un crédit, a perdu. Ouais, d'accord, ok. Sachant que dans le jeu, il y a du Friendly Fire. Tu préfères et, que je prenne qui et la gare. Si. Ouais, et. Ouais, il a gagné avec la gare, je et, crois. Et. Charibé, il a gagné avec ah, c'est. Avec bah, toi, choisis. Avec vas-y. Lui, il a... Comment tu commences avec Guy, il avait gagné. Je prends Guy. Nous, on est payé 2, c'est normal. Non, mais parce qu'il a appuyé trop vite sur start, notre ami. C'est la maladie. Moi, ouais, mais on s'en fout, il n'y a pas de côté là. Il n'y a pas de côté, non, c'est Final Fight, on s'en fout. Va dans Deep Switch. Excuse-moi, désolé. Switch, bah oui, mais la maladie. Tu fais reset à ma fly. Reset c'est vraiment exactement les mêmes. C'est comme une PCB. Ah oui, en fait, le CPU est en level 8 extra hard. Oui. Ah, sinon, ça serait trop facile. Bien entendu. Donc en fait, ce qu'il faut, Ken. Et si c'est facile, on risquerait de s'amuser. C'est pas grave, il a raison, karaté, on s'en fout. L'important, c'est. Conduit. Bah oui, parce que. Et en fait, ce qu'il faut, c'est quand même que tu sois assez. Tu commences karaté. Ouais, commence, toi. L'idée, c'est que les ennemis lui font beaucoup plus mal que toi. Il y a le Friendly Fire, mais tu lui enlèves que dalle. Donc il faut laisser se faire punir avec toi. Laisse ton clou te punir pendant tous les rounds. Et en perso de 6, la Damned. Damned, ouais. Est-ce que ça va être un perso d'après toi tu annonces ou pas? Ouais, on le voit dans le décor. C'est le... Ouais, on le voit dans le décor. Donc alors, qui est qui karaté explique. Nous on est Agar, et eux c'est... Lui il est Gui. Gui, c'est pas voilà. Gui, c'est Gui. C'est Gui, ouais. C'est Gui. C'est Final Fight Gui. C'est Gui. C'est vrai qu'on aurait dû prendre Gui, mais je dis Gui de Lusignan. Gui de Lusignan. On va prendre la poubelle, il y a la vie dedans. Ah non, c'est pas de la vie. Ouais, là on est à extra hard. Fais gaffe à ça. Fais gaffe à son torse full là. Laisse-le se faire punir pendant tous les rounds par. Prends l'ananas et pousse le café. Ouais. On va prendre la canette en haut, la canette. Ouais, j'aimerais bien, mais je suis en infini, je te jure que je suis. Voilà, moi j'attends. Laisse-le se faire punir par ton. Moi j'attends, voilà. On attend. Oh, on s'en fout alors qu'il y avait un léchant. C'est possible ça? Ils m'ont épargné. Ah, le Steel Pipe. Il est pas mal le Steel Pipe. Ouais. L'arme qu'il a dans Marvel Capcom 3. Marvel Capcom 3. Un chef-d'œuvre ce jeu. Un chef-d'œuvre que toi t'aimais bien Marvel Capcom 3. Et voilà, ça se prend. Regarde, il y a TKO. Au début, ouais. Ça se prend en TKO. C'est rigolo. J'ai trop trouvé une interview de toi sur Ben Rocher. C'est pas exactement ce fond de cloche. Je ne dis à personne d'aller au. Moi, tu peux dire à tout. J'aime pas faire gaffe, mais je ne peux pas me bouger. Je me suis fait atomiser par des serpents, est-ce que tu veux que je rate? Ah, il est en train de se faire. Ouais, esquive un maximum. Esquive et tu ramasses le poulet. Voilà. C'est pour ça que je veux tuer voilà. Avant qu'il ramasse le poulet. Tape-le! Ah, voilà. Nas! Il faut que tu passes le stick là. Non, faut que tu meurs. Il a pas perdu la vie. Il a pas perdu la vie. Ah, t'es pas mort? Et là. Merde! Ah, il y a eu le poulet. Bien joué le poulet. Là, on repart à zéro, donc ça c'est bien. Jette-le après, tape-le, tue-le! Tue-le, cœur. Ah oui, super, il a le Damned. Damned est sur lui. Oh, envoie-lui le Damned. Ah, c'est le Damned qui est sur... Sinon, fais-lui une chope. Chope-le et jette-le, Damned. Tu t'approches de lui. Tu vois, on vient de... Voilà, hop, et là, tu le jettes. Voilà, jette-le là-bas. Bien joué. Laisse-le s'embrouiller avec Damned. Laisse-le. C'est pas ton histoire. Dis-lui, c'est pas mon... C'est pas ta guerre. Voir ailleurs si Agar y est. Voilà, c'est bien. Hey, voilà, il y a une petite patate. Le Subway. Attention, ça va arriver violent. Il va appeler des méchants. Mais il connaît le jeu par cœur. Oh, ouais, le problème, c'est ça. Il connaît le jeu. Alors, il y a Damned sur moi. Jette-lui Damned. Voilà, juste. Hey, écrase-le. Si tu ne fais pas de gens, il y a la relevée. Voilà, merci. Y a pas la garde dans le jeu, tu le fais tomber. Hugo le parfois, peu de gens connaissent. C'est pas la garde, mais il y a la garde. Il y a la garde, tout à fait. Ouais, c'est mal barré, je me suis. J'ai mal joué. Oh, il est bien. Non, mais... Il est bien, reste loin, Ken. Mais je fais. Il est mal. Fou, il est très mal. Il est très mal, c'est bien ça. Tu l'as touché du bout du poing. Ah là là, ils vont appeler des méchants. Attention, il y a Poison qui arrive, hein. Là ça va pas rigoler. Poison. Oh là là, je me suis fait d'abord. Je crois que je suis mort. Il est mort. Ah, moi aussi. Reste toi, c'est à toi, il faut. C'est ça l'arrêt. Fuis, mais pourquoi t'étais pas prêt? C'est ça l'arrêt. Fuis, tonton, fuis. J'ai retenu l'arrêt. Allez, le Damned. Ah oui, tu sais faire. Il connaît l'infini. On va faire ça sur le deuxième stage. Ah non, mais Damned est mort.
Ah là là. Écoute, bien, hein. Ouais, tu ça va, bien, on est à un partout. Désolé, je vous pas mal. On est bien, on est bien. Tu vas avec le premier, tu fais après saut point et ça fait l'attaque. J'avoue, le Freddy Fire retient quasiment rien. Il est infini de ouf. Laisse-le mourir en fait. Laisse-le mourir. Tu peux faire les deux points. C'est quoi ce Kenshiro du coup là ? C'est Last Battle sur Mega Drive. T'entends ? Oui. Fais quelque chose ! Ah c'est bon, il a les Axel sur lui. Ah, il aurait... Ah, oh là là, on a perdu. C'est bon, on a gagné ! Yes ! Pas ! Je t'avais dit ! Ça, j'ai tout appris de Shariban. Shariban m'a appris ses trous. Bien. Merci Shariban pour m'avoir teaché sur ce jeu. J'ai compris. Tu as jamais dû le. J'ai pas réussi à lui enlever le poulet. Un point pour nous. C'est toi. T'as géré. Moi je l'ai à ça. Ouais. C'est... Ce jeu-là. Ouais. J'aurais dû faire du versus sur un jeu de pas de versus. Oui, oui, tout à fait. Oh, ouh là 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 là. Ça commence. Ça commence. Est-ce que vous. Le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rage kit versus. Il n'y aurait pas un rage kit là, s'il vous plaît. En plus, c'est vrai, il y a un. Non, mais t'as ragé. J'invoque le rage kit, monsieur. J'invoque le rage kit. J'invoque le rage kit. Quoi? J'invoque le rage kit. Il nous prend avec Elden Ring et il veut pas jouer à Final Fantasy. Rage Kit, là, je suis désolé. New Black, je te laisse lancer le sondage. Est-ce que Monsieur Karaté a ragé ? Je vous donne le lien du sondage dans quelques secondes. Est-ce que Monsieur Karaté a ragé ? Mais c'est incroyable. Attends, ils ont gagné. On les a bourrés depuis tout à l'heure. Mauvaise foi, ça m'a, j'ai vu dans le chat. Ils ont gagné un demi-match, j'ai dit Prout, ils ont dit... Non mais pas ils ont dit Rage Kit. T'as dit ouais mais c'est là. Qu'est-ce que t'as dit mais t'as dit ouais mais ce mais jeu, toi, t'as dit c'est le pas jeu, un jeu de versus, tout à c'est pas un jeu de versus et de machin, moi je sais jouer au jeu de versus mais pas à ça, bah, ça veut dire quoi ça? Bah ça veut dire qu'au jeu de versus j'ai gagné. Ouais. Et toi t'as dit le jeu était injouable, c'est pire. Moi j'ai non, pas dit injouable. J'ai dit que ce jeu n'est pas... Ton perso est injouable parce qu'il était fort. Au contraire, je mettais en avant le fait que tu maîtrises grave ton perso. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que ça allait chercher des vidéos Dailymotion où je parlais mal de Marvel vs Capcom 3. Oui, et voilà. Rien que pour ça, ça mérite de perdre. Ça rage de ouf, tu vois. Moi, je... Rage IX. Voilà. Mais c'est quoi l'interview elle ressortira le moment venu. C'est pas ma faute. Rien que pour si ça. Si tu balances les trucs aussi énormes que ton pif. J'ai mis le lien du sondage. Voilà, s'il vous plaît, les gars. Bon, ceux qui sont là, il y a beaucoup d'amis à moi dans le chat, hein, dont Dams, dont Requin Visqueux que j'ai vu. J'ai vu pas mal de monde. Ça saute quoi à la première occasion, c'est grave ça. Ouais, non, mais je pense c'est juste. Mais monsieur, moi je pense que c'est toi qui es guaqué en fait. Moi j'aime non, pas du tout. Trop bah guaquer, si. Je te dis que j'avais pris de la camomille, j'étais tranquille. Bah je crois pas en fait, je croyais ça. Moi je vois un Biggie. Le Mars People, un Biggie le... Calme. C'est serré, hein, on risque de perdre. Et voilà. Donc, tu sais qu'ils vont nous dépasser en points s'ils gagnent le rage. Ah bah écoute, franchement, GG. Hein. Non mais. Qu'est-ce que je te dise ? Oui, mais c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, bien sûr. C'est les règles. Je dis juste que la fois où vous avez gagné, ça a sauté à la gorge. Hein. Deux roquets. Non. Deux pinchers nains. Qu'est-ce que c'est non, que mais t'es content parce qu'on s'est Ken mutuellement aidé. Ken qu'est-ce qui se passe ? Abusé. Non, mais j'écoute et je me demande. Qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, qu'est-il en train de se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? En attendant d'avoir le résultat du sondage, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder qu'on prépare le prochain jeu et qu'on regardera après le résultat du sondage. Dépasse la pensée. Oui, tout à fait. À 49 guac. Oui. Ah oui, d'ailleurs, il y a des potes, ils m'ont tous dit, je fais une grosse dédicace à Papy Nul, oui, qui m'a dit, tu demanderas bien à Karaté d'invoquer le 49 guac. Le 49 guac. Bien sûr. Si seulement il pouvait nous sauver. Écoute, c'est une histoire qui commence à mal tourner, mon cher tonton. Oui, oui, oui. Forcément, oui. T'es avec moi, tu pouvais pas gagner. Hein. Bah, double dragon. Alors, c'est facile à jouer, donc ça va. On va déjà le lancer, Ken, si tu veux bien. Vas-y, alors, tu dois... Oh, bah, faut... T'es dans les corps. Non, en fait, ça. Ouais, mais il faut... Ah, c'est dans le faut, même corps. Faut qu'on se mette dans le corps Neo Geo console, parce que ce sera plus simple, tous la config reste le même. Oh, la communauté est engagée, hein, sur ce, oui, sur ce vote. Hein. Ouais, je crois qu'on perd, hein. Je crois qu'on va perdre. Engagement, hein. Ouais. Pourquoi il y a plus de gens qui votent qui regardent ce stream? Ouais, c'est ça. Ça veut rien, c'est bizarre, quand même. Ouais, ça fait voter les morts, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des boucles de vote qui ont été trouvées. Au bled. Mais putain, c'est bien, tous au bled là-bas, on c'est sait bien, pas c'est si bien, c'est bien, c'est bien. Toutes les techniques sont bonnes à prendre. Oui.
Je l'ai pas le Universe BIOS V04. Je peux le booter sur mon BIOS. T'as une Neo Geo J'ai un BIOS, un Unibios. Bah, ouais. En fait, il faut juste changer là. Tu sais, comme tu dois avoir un support. Je dois changer le. Juste, tu l'enlèves, tu la remets. Ok, d'accord. J'ai un pote qui l'a fait, je t'en enverrai. Hein. Alors, on va regarder les résultats du sondage. Hein, qui voilà, avant d'attaquer sur Double Dragon. Mon cher tonton, il semble que tu as ragé à 70%. Eh ben écoute, c'est ce qu'on appelle rage la majorité universelle. Justice. Je m'en félicite. Très bien. Monsieur le 49 Gouac, nous sommes maintenant menés 4-2 par l'équipe. Littéralement, rien gagné. Qui, la fois où ils ont gagné un jeu, ont rentabilisé. Tu verras. T'as fait start, monsieur Karaté. Non. Bah j'attendais, je vais faire. Bah vas-y alors. C'est bon. Donc là on va jouer alors. Alors juste qu'on en parle deux secondes. Hein. Double Dragon, c'est donc en fait le jeu sur Neo Geo qui a été adapté du film, qui a été adapté du jeu. Il y a eu une version PlayStation qui est particulièrement dégueulasse. J'ai joué à la version Play. Je dois l'avouer, je dois le dire. Avec KX, on a dosé pas mal la version Play. Et après on a joué sur Neo Geo original et on a. Mais alors le jeu, il est. Qui joue-t-il là? Je sais pas celui. Je suis Amon. Karaté joue Rebecca. Il est de Rebecca. Mais vous savez jouer à un jeu. Tu sais jouer, Ken? Oui, il sait jouer. Il a totalement un Amon. Oh là là, les gars, ils savent vraiment jouer au jeu. Ça fait TP. Heureusement. Ah oui, il est dans les pommes. Tue-le. Mais tu fais quelque chose. Oh là là. Ah oui. Oh là là, Karaté, il a un setup. J'avais pas conscience de ça. Oh le setup. J'avais pas que ça existait. Vous avez pas conscience. Il a un mot tout loin. Zaineken. Zaineken. Et voilà. Oh, dommage. Bien joué. Dommage, c'est bon, tu l'as. Là, tu as à peu près. Allez, c'est faire les super, pas moi. Alors, un grand jeu, hein, n'est-ce pas, avec un gameplay extrêmement équilibré. Non, mais le jeu était. En fait, faut remettre en contexte, moi en tout cas. Dispo sur Switch. Oui. Moi, à l'époque, il m'avait fait impression ce jeu-là, j'en attendais rien et moi j'avais kiffé. Bah, moi je n'attendais rien, il s'est rien passé. Ah, bah si, nous on l'avait bien aimé. Avant que la super revienne, hein. Ouais, c'est serré, hein. Ce combat au sommet entre Ken Boga et ça ne rigole plus du Benoît Hamon. Il a totalement un Benoît Hamon. Un ninja qui s'appelle Amon quand même. Bah c'est Benoît. C'est Benoît. Benoît Amon. Monsieur 7%. On est quand même très haut niveau hein, de Double Dragon. On a les champions mondiaux. Les champions mondiaux du meilleur jeu. Ouais, c'est ça se tape de fou. On a les plus grands joueurs. Hein. On a de la chance parce qu'on a les plus grands joueurs de tous les jeux. Oh bien joué ça. Oh c'est magnifique. Oh c'est magnifique. Oh oui, la boule. Oui. Super, GG. Bravo, Ken. Benoît Hamon. Tu as un Benoît Hamon. Et d'ailleurs, on voit son vrai visage à ce moment-là. Exactement. Le vrai visage de Benoît Hamon qu'on a découvert aussi à un moment. Tous ensemble. On aurait préféré ne pas découvrir son vrai visage à Benoît Hamon. Exactement. Et hop, sous le masque, il est de droite. Oh oui, d'accord, attends, ça te demande de faire un Wakidama. On a un Satoru. Attention, Billy, quand il se transforme, il est très très méchant. Ouais, c'est... Mais il a des couilles X et tout, c'est la merde. Mais sors ton Benoît, sors-nous ton meilleur Benoît. Ouh, il se transforme, puni. Ah merde. Et là, tous tes coups sont X, c'est... Oh, c'est beau ça. Ça enchaîne les deux directions. Hein. Bravo, hein. Billy Bed and Butter. Apparemment, Beauty Gear se serait totalement inspiré de ce jeu. Bien sûr. Ah, il a le. Il a le héros. C'est un jeu de
moi hier. Pas safe d'ailleurs. Ah, je vais pas faire un safe. Oh magnifique, machin. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il t'a enlevé? Ah, non mais d'horizon là, il démarre. Oh là, de mais il fait dragon dans tous les sens. Ah mais il a joué sa life. Oh ah, croyez pas qu'il a joué toute sa life. Voilà, alors, moi, c'est mon meilleur jeu, je suis vraiment... Bien joué. Bien joué, là je... Si t'as battu le devant derrière de Benoît Hamon, c'est que... C'est que je ne peux rien dire. Devant derrière Benoît Hamon, c'est bizarre comme phrase. Sans vouloir... Le devant derrière Benoît Hamon. On va être obligé de sortir le gros, là. Il y a un Jimmy, il faut que je sorte un Jimmy. Non, prends ton perso. Je prends un Abobo, ouais, c'est Abobo le plus fort du jeu. Oh, Abobo, ce style. Il est fort en perso. C'est le plus fort. Oui, pas mal. Il a sa petite coquille qui nous coupe le plus. Oh là. C'est un peu sévère. Quand il tombe au sol, tu peux l'achever. Là, faut faire haut et une direction. C'est quoi ça? Le demi-cercle, demi-cercle arrière. Ouais, ouais. Oh, d'Abobo! Voilà. Ah, il fait mal, hein. Il fait très mal. Hein. Je ne connais pas Abobo. Abobo, c'est Abobo. Je sais pas, c'est quoi? C'est son second pied qui va la large à Abobo. Pas le coffre Abobo. Ah, c'est ça qui l'a. Voilà, c'est ça, là. C'est ça, c'est le meilleur coup du monde. Car arrière ou car arrière? Oh, là il se tape direct. Ah, oh, mais il décide, transforme-toi. Il a le super Saiyajin. Et là il est invincible. Oh, tout le temps. Oh, la balayette qui passe en dessous. Il a que la super d'abord. Oh la barre. Oh non, d'horizon tu peux pas perdre ça. Oh, oh merde, ça a gratté. Ah merde. Victoire. GG. Il a le meilleur Billy mondial. J'avoue. Ah bon, franchement, t'as un Billy. Hein. T'as un Billy. J'ai un Billy. Un Billy. Dommage que je savais pas jouer. Un Billy même. Bon. On remonte un peu. Un peu. Donc là, faut on crie pour qu'on invoque Trash Kit, c'est ça? Non. Hein? Pourquoi? Non, nous, on dirait rien. Parce que nous, quand on gagne, on est modeste, c'est ça, tu veux dire? C'est ça. Ça n'a rien à voir. Comme vous le savez. Ça n'a rien à voir. Faites comme vous, vous pouvez invoquer un Trash Kit. Voilà. On peut essayer de voir après ce que ça donne. Moi, je vois des divinités. J'aime ce silence de cathédrale quand on vous lave mort. Non, mais franchement, vous devriez jouer un peu plus la victoire. C'est ça. La danse de la victoire. Ça. Mais d'horizon, la victoire trop modeste. Ouais, non, mais moi je. De toute façon, il est inaccessible. J'ai découvert le jeu, j'ai aimé. Agressance of the Combat. Avec carré arrière. La main du démon. Ouais. Ah, la main du démon qui gratte. Il retire le jeu tiré. Je retire le jeu tiré et on joue à Aggressors. Alors, Aggressors of Dark Combat, connu sous le nom de Gangan, c'est un jeu assez vieux de la Neo Geo, un des premiers. C'est une sorte de jeu de catch en 3D, jeu de combat, mais avec en guest star Fuma de World Heroes. Et c'est particulièrement injouable. C'est vrai. Start. Il a fait start, c'est bon. La main du démon, le rocker en haut là. Donc c'est car arrière. Alors pareil, tous ces jeux sont disponibles sur Switch, bien sûr, si vous voulez jouer. Point. Le guac rend les gens mouais. Contre les super, je sais pas faire. Donc un chef-d'œuvre hein, de la SNK Cup. Voilà. Nishan, il est invincible au jeu. Hein. Ouais. Oh là là, mais là, cette main divine, c'est un truc de ouf. Alors karaté, fais les combos. Il connaît les infinis karaté sur ce jeu. Mais c'est quoi ce truc là, la main là? Mais regarde ça! Ça gratte de ouf la barre de garde! C'est quoi ce perso? Il dit la palma des je sais plus quoi. La palma! La palma des tigres, c'est ça son nom. Attends, mais comment il s'appelle le bras du perso dans Bleach là? Leur. Tu sais, qui a un bras de ouf là. Comment ça s'appelle son coup spécial? Oh là là. Dans Bleach là, le mec qui a le bras de ouf. Ouh! Regardez! Les mains du démon! Oh la double main! Oh là, il est rapide. Ah, t'es pas le main? Ah, son Fuma, il est ah, Shad, voilà, c'est la main de Shad. Mais c'est quoi le pouvoir de Shad là? Quand il invoque son Fumaden, bras, les gars. Le Getsu Fumaden? Ouh! Regarde ça veut rien dire! Par contre, quand tu touches ça, le chat, vous êtes pas, hein. Giga de Shad, mais c'est pas Giga de Shad? Ah! Ah oui, attends, c'est Excluedo, je sais pas quoi. Voilà, la distance de... Ah, merci, Excluedo del Diablo. Bref, c'est la main du diable, quoi. Ouh, elle est bien, celle-là, là. La double ouverture de corps, là.
Ouais, il fait comme ça, il ouvre le corps. Mais bon, il... J'ai la garde, frère. Ouais. Mais y'a pas de garde. Si, ah oui, y'a pas de garde, parce que... Il a la garde, ah si, il a la garde, non. Bien sûr, bien sûr. Vu qu'il a gardé toutes mes mains du démon, là. Ah oui. El Diablo. Bon, c'est bah le truc... Ce Shuma, merci les gars, merci les gars. El Directo, El Diablo. Non, c'est Gigante. Del Gigante. Là, donc, je me rappelle que dans Beach, il a ça, je me rappelle plus de, du coup, quoi. Je vais tenter le, ouais, je vais tenter le Steven Seagal. Le Steven Seagal. Il a un style, le gars. Ouais, le jeu, il est presque jouable. Hein. Ça fait des dash attacks toute sa vie. Ça, c'est très difficile à ne serait-ce que punir. Oh, d'accord, ok. C'est sûr que le mec qui fait du taekwondo a toujours raison. Il a quand même bourré au milieu de tes enchaînements en mode aucun doute, je vais punir. C'est mal ça. Oh ouais, pas safe, t'as le temps de venir un peu. Enfin, la concentration elle est. Ouah, le dragon. Oh mais comment j'ai pas sur le même plan. La mission au vif du plan. C'est la super hein. Incroyable. Alors ce Steven Seagal il est là. Franchement c'est le Baek. Donc il est là. Surtout Karate, il a une bonne garde, je trouve. Hein. Il va faire dash, voilà. Et en même temps. Fais la super, Biggie. Même si tu le sais, tu sais pas. Non, non, elle bourre pas les cartes. Le fuma de Karate, mon gars, faut il est invincible. Il fume. Ah, oh, ça, bien c'est joué. Une vraie punition. Donc, trois fois, prendre un sur le tard. Ah, c'est ouais, le plus haut niveau mondial, les gars, ça, je pense. Hein. Ça rend fou. Il arrive à taper au milieu de nos enchaînements. Oh. Ouais, il a une TPL personne. Ça y est, bon, bah, il a évolué. Il a évolué dans son jeu. Karaté niveau 2. Il a trouvé son arme. Voilà, bon, oh, la bande. Oh, Biggie. Ouais, Biggie, il a un Steven. Mais ça mériterait de faire plus mal quand même. Ouais, je fais rien comme dégâts. Ouais, par contre, le chrono tourne en plus, c'est terrible. Hein. Vraiment. Ah, les footsies de ce jeu ne veulent rien. Bah c'est quand même, enfin c'est du très haut niveau quand même. Enfin, oui. Ah, c'est du très haut niveau, très haut 26 secondes. T'as commis. Il reste 24 secondes. Tiens, zone. Biggie, faut que t'ailles le tuer parce ouais, que... Ouais mais je... J'aimerais bien, mais l'autre il suit sur le plan d'en bas, alors c'est compliqué. Et on est en gangan. On est en gangan. C'est lui qui est en gangan. Fais gangan. J'essaye de gangamper, hein. Nous on est obligé d'invoquer des rage quits hein. Hey et eux ils sont juste trop forts. Ouais ils sont trop forts. Abusé. GG hein. Franchement GG, son fuma il est taffé, ça se il voit. Il a totalement son fuma. Ça se voit. Il est taffé hein. Et ben en fait nous revenons à égalité à la force de la sueur. Franchement vous êtes trop fort. 4 points, 4 points. Vous voulez pas rager un peu qu'on prenne le large? Non. En fait j'aimerais bien rager mais ça n'est même pas dégueulasse de perdre. Juste. Bah, quand on est face à autant de talents. Ah ouais, il y a trop de talents. Franchement. Il essaie de minimiser la rage. Est-ce que vous avez vu ce fuma? Est-ce que vous avez vu ce fuma? J'avais jamais vu le TP. Hein. Franchement. C'est la première fois que je vois le TP. Et juste avant, vous aviez vu ce Billy de Double Dragon. Mais. Ouais. Je veux dire, il y a des gens qui ont joué au jeu. Il y a des gens qui n'ont pas joué au jeu. Il n'y a pas à rager. Les jeux de combat, c'est ça. T'apprends sur le tard. Là, c'est en arrant. Donc, on reviendra plus fort. Mais... Ah, c'est le talent après. Hein, c'est... J'aimerais bien voir un petit jeu où on ne sait pas jouer tous. Non, on ne sait pas jouer. Ça, c'est un petit rage kit. J'aimerais bien voir. Bah, vas-y, jeu. Par exemple, on ne sait pas jouer tous. Si on tient Street Fighter. J'aimerais Rainbow. Bien voir. Rainbow, ouais, ça serait bien. C'est pas Rainbow d'ailleurs. Il y a une petite surprise derrière. C'est pas Rainbow. Let's go roulette. Que des surprises. Alors on tire le jeu retiré. Hein. On retire un jeu pas tiré. Dernier jeu avant la pause. Dernier jeu avant la pause. Il l'a dit Street. C'est le Rainbow hein, celui-là. C'est le Rainbow. Ok. Bien sûr. Le Rimb. Over the Rainbow. Ah bah je commence. Ah ouais. Bah, il connaît. Il prend la main. Il prend la main. Fais gaffe, il va dire qu'il prend parce qu'il sait. Il sait, Rainbow il sait. Tu penses, Rainbow il sait. Bah, tout le monde sait, c'est Street Fighter. Rainbow Edition. C'est lequel 7-1. C'est 7-1. Il faut savoir que Rainbow Edition, en fait, donc, c'est un bootleg qui a été fait de la Championne Edition de Street Rainbow. 2. Ouais. Et qu'en fait, Capcom, voyant la Rainbow Edition, va avoir l'idée de faire Hyper Fighting, un jeu plus rapide avec des coups en plus. C'est évidemment un jeu bootleg, un jeu pirate. C'est la version la plus connue des bootlegs. Oui, mais on a l'original du bootleg. Voilà. Vas-y, fais ça. Alors, oui. Donc, tu veux commencer, Ken?
Biggie. T'as totalement raison. Non, Biggie, moi je compte Biggie sur. Ah, mais je compte non, joue. Ah, vas-y, joue. Bah, s'il a envie, hein, je fais comme vous voulez. Je me souviens pas si c'est la. Je le défie, j'ai le droit. C'est le seul horizon qui décide. Est-ce qu'on a le droit de changer de perso ou pas dans le match? Ah, t'as le droit d'appuyer sur start pour changer de perso pendant le match. On est d'accord. Mais non, t'as le droit. Ah, bah, tous les droits sont permis, hein. Ah mais droits. Voilà, ça se fait toujours en Ryu Gail, voilà. C'est que Ryu Gail, le Tatsu qui bat ouais. Le Sonic Boom. Ouais, c'est Pierre Feuille-Ciseaux. Ouais, ouais, c'est. Si tu fais la boule, il fait. Ah, d'accord, ouais, ouais. C'est bien ça. Oula, ça joue pas. Hein. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, c'est le Gail de la part du celui-là. Bah, voilà. Bah attends, mais il avait pris mon Gail et là il renvoie un Gail. C'est pas possible, voilà, Tatsumaki, ça va. T'es qui toi? Je suis Gail moi. Ah, oh, hop, c'est la part du. Ah, il connaît totalement. Il connaît totalement son Gail. C'est l'Artegat de Lyon là. C'est hein. Huile. Ah, ce Gail d'olive. Il y a un Gail. Voilà, le Tatsu. Voilà, il y a le Flash Gui. Bien sûr. Oh là, ça pisse. C'est quoi, Flash Kick, oh, le Sonic Boom en Tiger King pour avoir le setup plus 2 sur la relevée. Tiens, t'es tellement bien là, avec un petit Tatsu des familles, on est bien. Oh là là. Et là, tu gardes. Ah merde. Là, et la chope. Oh! T'as vraiment osé faire ça? Ah oui, j'ose. Mais c'est relevé avec gros pieds. Bah oui. Mec, bah allez, y a une Val Master. Hein. Ah ouais, alors là. La Val Master. Alors là. La Val Master. La Val de Master. On a eu l'aval de. Oh là là, attention, contre quoi? Oh, il y a un appui sur les touches. Biggie, il appuie pas sur les touches, il il branche des câbles. Guillaume, s'il te plaît. Guillaume, t'as tout. Oh, lui. Et là, il punit. Voilà. Ah, la meilleure balayette de tout. Paris. C'est pas le Tatsu. Non, c'est chaud. Dommage. J'ai battu Dorizon qui est le champion du monde. Bravo. Ça va, je l'ai regardé. La vraie performance. J'ai battu Dorizon qui est le champion du monde de ce jeu. Faut savoir qu'à l'Extra Life Café, ouais, ils ont ce jeu-là spécialement pour Dorizon. Ah oui, c'est. Il faut quand même le dire. Hein. Non, mais il a quand même réussi à perdre, c'est chaud. C'est chaud. Attention parce que Blanca, gros perso dans le game. Ah bon? Gros perso. Il a des boules. On sort de l'écran là. Voilà, il faut sortir de l'écran et tout. Hein. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de charge en jeu, c'est ça. Pourquoi t'as marqué Gail? Bah, je sais pas. Il peut changer de perso, mais la seconde. Laisse-le s'exprimer. Ça veut rien de dire. Le jeu n'a aucun sens. Ah voilà, ça arrête les projectiles. Ça peut pas taper, mais ça arrête les projectiles. Ah voilà, regarde, il a réussi à sortir la seule. Mais oui, mais faut que tu le tues quand même. Non, mais le Hadouken est ta tête chercheuse. Ah ouais, dans la vraie vie. Et il te reste 3 secondes pour tuer. C'est une seconde parfaite. Oh, je suis vraiment pas gros pied, mais ça rend fou. Mais ça rend fou. Elle a jamais été évité la baguette. Quand tu veux jouer le nouveau champion de Rainbow. Oh là là, pfff, il est talent. Oh bordel. Une adaptation de la karaté, c'est un truc de ouf, sachant que c'est dégueulasse quand même, ça arrive en face. Par contre, la balayette, il n'y en a jamais une seule qui a été gardée. Hein. Moi je dis. Moi je dis, c'est le meilleur. Il y a les pires coups de la terre, mais le meilleur coup, c'est la balayette du jeu. Hein. Heureusement que c'est là pour toi. Oh, double touche en plus. Double touche, on a gagné. Allez, faut savoir qu'on a battu. Moi, je voulais les perdre. Champions mondiaux. Moi, je voulais perdre. Je voulais perdre. Il s'appelle le deuxième titre du jeu, c'est Hyper Tatsu aussi. Moi, je voulais Hyper perdre. 2. Je voulais perdre. Hyper Tatsu. Je voulais perdre. Mais ouh. Comme ça, il fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Là, Dorizon. Ouais. Hein. Karaté. J'étais le underdog de Rainbow. Tout cassé. Tout baisé, moi je me suis dit contre toi c'est mort. Ah vous baisé mais on est bien. Mmh. Oui c'est bon, on est bien. Bon bah on aura gagné un jeu. Ouais. De belle bien pas, belle manière d'ailleurs. Pas grâce à moi. Oh je pense que t'aurais pu. Tu sais que voilà le Tatsu c'est la vie dans ce jeu.
Mais on peut pas faire une pause après ça, c'est pas possible. Parce que là, vous êtes dans le jus, là, vous êtes chaud. Quoi ? On devrait continuer. Tu crois ? Non. Mais on va refaire une petite partie, ouais. Ah bon ? Non. Pas de ça. Pas de ça. Là, c'est terminé. Là, on a retiré le jeu tiré. Ils ont retiré le jeu à l'extra. En tout cas, d'horizon, je retiens que je t'ai battu sur ton jeu. J'ai gagné ma soirée aussi, je peux m'en aller. C'était bien joué. C'est vrai. Alors, quel jeu allons-nous jouer après la pause ? C'est ça la question. J'espère que c'est insoutenable. Non, on va jouer maintenant, parce qu'on a dit qu'on arrêtait pas. Oh, j'ai des souvenirs de matchs nuls infinis avec ton là-dessus. Bah, je commence pas, j'ai pas envie de jouer à ça. je comprends. Il le remove. Non, c'est bon, on fait Savage Reign. Le jeu sauvage. Alors, Savage Reign, en fait, qui est sorti avant Kizuna Encounter, et donc le numéro 1 par rapport à Kizuna Encounter, qui est le 2. Tout à fait. C'est la version pas bien. Là, la version pas bien, qui est pas pire non plus. Vous êtes trop gentil, y a pas de gouac. Je préfère ça à Gangan quand même, mais. Mais bon, voilà. Gangan, il était bien, hein. Moi j'ai bien aimé Gangan. Ouais, mais je sais pas trop. Ouais. T'aimes bien les jeux quand tu gagnes en fait. Un petit fou madame. Bah, un peu comme vous, j'ai l'impression, vous entend jamais autant que quand. Non, quand vous gagnez. C'est ce que je dis, moi, j'ai rien dit d'autre. On est tous d'accord. Et monsieur Karaté, il faut faire très attention, vous allez rager encore. Calmez-vous enfin. Moi je dis juste qu'il se passe. N'oubliez pas. Ah, bah non. Il s'est mis plus de power. J'ai fait ça. Bah oui. Non, vas-y. J'ai fait ça. Très franchement, t'as pas honte de d'utiliser ce petit chat. C'est un peu honteux. C'est un peu honteux quand même, un peu beaucoup. Franchement. On est là, vous menez. On joue, on est là, on mène. Comme quoi la mauvaise foi. Mais je pensais que toutes les règles étaient permis, moi. Ah ouais. Ah, tu peux jouer Carole Quinten et tu joues pas Carole. Putain, j'avoue. Elle est stylée, hein. Elle est là, hein. J'ai plus tard. Moi, je joue le Kerjo. Tu joues qui? C'est mon gars. Il y a le commissaire aussi. Le commissaire, il est là. Le roi lion. Donc là, on reste à taille. Quoi? Voilà. Il est valide après, hein. Il a peur. Tu vois? Voir si. Bonsoir je... à Christophe. Non, mais je voulais voir. PDP. Si c'était tes accords pour qu'on fasse bonsoir à toi, Christophe. Et vous savez que je me souviens même plus du cœur, c'est quoi? Il y a un gros point là, ça sert à rien. On va faire ce gros point. Hein. Ouais, je pense que franchement, c'est ce qui arrive. Salut à Kevin. C'est très équilibré ce soir, c'est vrai. Ah, il y a Christophe qui est là. On salue Christophe, évidemment. C'est grâce à Christophe que cette émission existe. Et c'est grâce à Christophe. Christophe, dans quelques instants, on va faire gagner les lots de Christophe, celui qui nous les offre. Merci à Christophe et à PDP Kivix. Alors, ce jeu, en fait, donc tu peux aller dans le fond. Mais visuellement, il était quand même hyper impressionnant pour l'époque. Alors qu'il date, hein, il est sorti avant Kizuna. Et ce qui est fou, c'est que le 2 du jeu, ils ont changé complètement la façon de jouer. Ah, tu oui, peux plus aller dans l'arrière et ça devient un 2v2 en tag. Ça n'a aucun sens. Et le 2, dans sa version pâle, est un des jeux réputés les plus chers de l'histoire. Plus de 100 000 euros. Celui-là, maintenant, commence à être très très coté. Savage Reign. Non, mais Kizuna pâle, c'est 100 000. Savage Reign, il est à 1000 ou 1500 euros. Savage Reign. Ouais, 1000 ou 1500 balles en AES. 1500 balles. Ah, mais attends, mais t'es en train de gagner, quel mais je sais pas jouer à ça, moi. T'entends, c'est quoi le champion? Bah non, le champion de quoi? Bah de ce jeu. Ah bon, je savais pas. En fait, t'es connoté comme étant champion de tous les jeux FNK. D'accord, ok. Si je suis avec toi pour bien, je vais gagner un soir. Bah voilà, tiens, fais-moi rêver. Mais comment jouer à ce jeu? C'est une bonne question. J'ai un roi lion, quoi. Il a un roi lion. Un roi lion, c'est un peu l'histoire de la vie. Voilà ça. C'est un peu le cycle éternel. Exactement, cycle éternel de la victoire. Un boxeur épéiste, stylé. Ah bonjour, c'est vrai que c'est ça. Ils avaient une idée. T'as un mezzo. J'ai vu Yamazaki jouer et gagner, je suis Yann Strat. Oh ouais, c'est quoi les coups? C'est un griffe, c'est un griffe, fais gaffe. Carrière, essaye, je sais qu'il a des boules. Il a des boules, mais voilà. Mais King Lion, c'est pas mal, hein. Ouais, le roi lion, c'est pas mal. Il a une épée. Bah, je sais pas quoi s'il faut faire, moi. On a trouvé le vrai champion mondial. Mais c'est quoi ce coup de Savage Reign, du règne sauvage du roi lion. Tu comprends ce que j'ai ressenti face à Mars Attack? Voilà. Mars People, tu veux dire? Mars People. Ça ressort un petit waffle. Sinon, tu peux rester dans le pauvre de loin, essayer de jouer le temps, voilà, et la fuite. Ça peut passer. Fuis dans le décor. Voilà ce coup là, ça c'est bien. Sors, la griffe là, c'est bien ça, la griffe de jardin. Voilà, ça, tu fais ça.
Par contre, là, s'il saute, tu changes. Va dans le fond, va dans le fond. Voilà. Voilà, c'est ton meilleur entière, ça. Oh là là, il est tout en... Mais reste dans le fond, pourquoi tu gigotes? Parce que c'est imprévisible. Mais non, mais reste dans le fond. Oh là là. Il est totalement agressif. Oh oui. Oh, ah, bien bah, ça, joué. Ça, ça a sauté, ça. Ça fait quoi? Gros point. Bah voilà, bah. Il va falloir évoluer dans mon. Ah, il va falloir évoluer. Il va falloir évoluer. Je ne peux plus rester. Je ne peux plus rester à mon. Voilà ça. Ça, voilà, refait. Ça c'est bien ça. Tu gardes. C'est ce gros et le bas gros là en bas là. Et là t'es bien. Oh ah, la chope, hein, bien sûr. La base. Non parce que tu le fais trop tard. Mise au sol. Décollant. La mise au sol de l'empereur. Ah, super! Bah oui, bah là tu vas faire des colonnes. Oh pas, la punition! Il tente! On a le nouveau champion mondial du règne sauvage! C'est incroyable, j'ai voulu évoluer dans mon jeu. Et Dorizon s'est dit, je vais changer. Et du coup, à ce moment-là, je vais régresser. Voilà. Et je l'ai battu. Bravo. C'est en fait en étant médiocre, j'ai pu battre Dorizon qui essayait de devenir meilleur. C'est ça. Médiocre. Ouais, Mehdi, Mehdi. Un autre à dire, le royaume, de toute façon, c'est une animation plus tout le. Oui, c'est ça, c'est ça. Au lieu de jouer Chung, il est en short. Au karaté, ça va plus. Hein. Ça va plus? Non, on n'est pas bien là. Bah, vous êtes vachement bien, qu'est-ce que vous dites? Vous avez 4 points. Bah, vous êtes devant, ça change rien. Ah, mais oui, mais ça veut dire que vous avez gagné 4 fois. Nous, on a moins gagné. On a gagné sur un Rashkit collé, là. Sur un Tatsu volant. Ça, c'est. Sur un relevé d'un. Ça, c'est des trucs. Même moi. Le rush kit, franchement, je l'assume pas, tu vois. Donc, c'est mais pas le public au a point. Tranché. Ouais. Mais au point, c'est vous qui gagnez. Bon. Est-ce qu'il est temps, Ken, de parler de deux secondes de ce stick arcade que tu as d'ailleurs beaucoup rodé? Exactement, je l'ai rodé. Est-ce que pour jouer à Savage Reign, c'est pas ça le meilleur stick, quelque part? En fait, pour jouer à quasiment tout, c'est ça le meilleur. Il est très transportable sur un vélo, d'ailleurs. Je l'ai amené à vélo. Et vous savez pourquoi il est très transportable sur un vélo? Grâce à la meilleure idée du monde, hein, c'est... dans le vélo stick. Ouais, de pouvoir retirer le levier. Le levier. Ce qui fait que quand tu le mets directement dans ton sac ou dans des sacoches de transport, eh bien, t'as ça qui ne coince pas à chaque fois. Donc, ça fait vraiment le taf. Hein. Sincèrement, ouais, c'est poli, c'est propre, c'est agréable à jouer. Surtout le son des touches, là, quand tu tapes dessus, il est ultra, ultra ferme. Il ressent bien, tu ressens bien les touches, tu ressens bien ton jeu. Le câblage, il est nickel de chez nickel. Ouais, c'est PC, PS4, PS5 sur celui-là, mais bon, avec un petit adaptateur, vous le passez même sur des consoles bizarres, voilà, ouais. C'est ça. Oui, ce stick, c'est chef-d'œuvre, hein, mais c'est un peu lourd, c'est vrai, mais c'est chef-d'œuvre. Bah, il existe en version Leverless, enfin, donc Hitbox, comme on dit. Il existe aussi. Il y a quelqu'un qui nous demande. Quelqu'un demande. Alors, Christophe de Vitrix est sur le chat. Donc peut-être que Christophe va pouvoir... oui, je veux bien, nous blague, si tu peux mettre ça les liens des sticks sur SNK TV. Si exclamation PDP, hein, vous avez la commande, sinon dans mon chat. Mais on est d'accord que le stick, PDP. On peut encore l'acheter. Parce que moi, à chaque fois que les gens... Il faut l'acheter quand il tombe en stock. Il a restock. Non, mais il a restock il n'y a pas longtemps. Là. Parce qu'à chaque fois que je disais... les gens me demandaient pour aller acheter le stick. Mais non, je ne trouve pas, il n'est pas en stock. Bah, en fait... Il l'est, mais il est en fait quand il est en stock, il part parce qu'il est extrêmement demandé. Donc il faut juste être là au bon moment. En même temps, en vrai, moi ce que j'ai fait, je vous dis ce que j'ai fait. Chez moi, j'ai pris ce stick là, je l'ai posé, tu vois, sur un bureau avec un ouais, écran, génial. Un écran 27 pouces dessus avec le bureau qui monte. Ouais. Je peux me faire un setup arcade debout ou un setup baissé. Je branche un PC dessus et j'ai terminé. J'ai une Vuelix à la maison, le stick il bouge pas, il est solide, le son, il n'y a pas de vis qui sortent. Je suis max. Il est max. Alors, ça tombe très bien parce que ce soir, alors pas le stick, mais ce soir, on va pouvoir offrir ce qui permet donc notamment de jouer sur PC, parce que ce soir nous jouons sur PC bien sûr. On va pouvoir notamment offrir une manette. Billy, je vais te laisser l'ouvrir, elle est devant toi, c'est la Neon Carbone. Non, pas celle-là du coup. Ah. Mais c'était la Neon Carbone. Non, pas toujours pas celle-là. La Carbone. La Carbone. Tout la à fait. Carbon. La Victrix Carbon. Donc, en fait, c'est un pad qui fonctionne sur Xbox, donc sur les Series S, Series X, toutes les Xbox que vous voulez. Et il marche donc, bien évidemment, sur PC. Pour Street Fighter 6, c'est à beaucoup de joueurs qui passent à la manette. Hein. Sur Xbox Series S notamment. Oui. Ou sur PC. Et sur PC. Et je grosse dédicace à TKR hein, qui passe sur manette maintenant. Ah ouais. Qui a osé nous quitter
le milieu du stick pour passer sur, sur manette. Ouais, j'ai entendu alors, parler. On Jackie, demande si PDP Jackie livre en France. Chun-Li. Bien sûr que PDP livre en France. En fait, PDP livre partout. Ouais, PDP, en fait, c'est une... dans le monde entier. Oui, en vrai. Tu peux commander sur Amazon. Donc, voilà. Hop, on a donc... Alors, ce pad, ce soir, pad. On va vous le faire gagner sur ASNK TV. Il faut aller, ce soir, il faut aller sur ASNK TV. Merci, monsieur Karaté. Et quand je donnerai le départ, merci, monsieur Karaté. Je donne le départ. Nul Black, est-ce que tu peux lancer le jeu concours? Nul Black va juste, lancer monsieur Karaté, tu peux concours. Préciser ça? En fait, chaque câble se détache. Je dois dire ce que les gens doivent faire, ils vont pas m'entendre, après ils vont pas être contents. Et après, tu vas nous expliquer le câble. Nul Black, il faut faire quoi pour participer? Mais non, mais il faut que les gens ils puissent savoir. Le tirage au sort vient de commencer. Il faut faire point d'exclamation PDP Gaming sur ASNK TV pour participer, tout simplement. Donc, il faut aller sur ASNK TV et faire point d'exclamation PDP Gaming. Je montre ça parce que... Je t'en prie, Didier, excuse-moi. Vas-y. Avec les sticks, avec les pads Victrix PDP, tu as un mois de Game Pass Ultimate offert à chaque fois. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est important. Ouais, ça fait moins 12 euros, je sais pas. Donc, un mois de Game Pass Ultimate, donc le Ultimate qui fait PC et console. Le ouais, il y a pas mal de. Il y a Guilty Gear en plus. Exactement. Maintenant. Il y a Strive. Jultigir. Ouais, il y a Strive qui est sur le Game Pass. Et donc la manette. La manette. Et il y a un bouton. Tu voulais parler du câble et tout. Oui, justement, ce qui est bien sur les. Le bouton là, il sert à quoi? Tu peux le setup. Tu vois, tu peux le setup. Non, je crois que c'est pour la fermeté du stick. Quand tu appuies dessus, tu as le stick qui devient plus ferme. Juste un truc, chaque câble, chaque pad PDP, en fait, ce qui est bien, c'est quand tu les ranges, tu peux enlever le câble à chaque fois. Et ça, je trouve ça vachement pratique. Et la plupart du temps, tu as pas mal de choses programmables, en fait, dessus. Il est partout, le stick. Ah, merde. On peut trouver en vrai. Ouais, bah t'arrives à t'en sortir alors que la première fois que tu l'as mis. Donc voilà pour le pad qui est à gagner. Le carbon. Le carbon 14. Le carbon. Le cap carbon pour ceux qui connaissent en Algérie. Ah, ouais. Merci. Mais oui, le cap carbon. Il y a un mode bouclier activé, c'est relou ça. C'est rien. Hein, bah, ajuster le volume en un instant avec des contrôles audio. Au bouton multidirectionnel. D'accord. Il fait Series X. Bon, j'ai désactivé le mode PC. Il a désactivé. Bah, attends, mais les gens. En fait, il fallait attendre 10 minutes pour certaines personnes. Le sondage, il dure 6 minutes. Donc, c'était. Là, un blocable était setup. Voilà, vous pouvez aller sur ASNK TV, vous faites moins d'exclamations PDP Gaming, vous pouvez encore le faire et vous pourrez participer. Ah, le mix, tu veux jouer? Ouais, il est où? Alors, va dans favorite. In the mix. In the mix. Deux points. Voilà, favorite. Et là, Street Fighter 2 mix. Okay. Alors, nous allons. Merci pour cette petite présentation. Donc, ce pad est à gagner. On va lancer la pub et on parlera du résultat. C'est Nul Black qui va récupérer le résultat du sondage et qui nous l'annoncera après cette petite page de publicité pour la dernière partie de cette émission. L'équipe de Monsieur Karaté et la SNK est pour l'instant menée 6 à 4 après une prestation exceptionnelle à Rainbow Edition de Biggie. Je me vengerai. Moi, j'étais venu pour perdre, de toute façon. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de te faire plaisir aujourd'hui. Ah, c'est très gentil, ta part. J'étais tellement trop mignon. J'étais trop guaqué pendant des années. C'est vrai que j'ai tout pris ça, cher. C'est vrai que j'ai pris cher. tu ne tiens pas, en plus. Tu ne tiens pas, le guac. Non. Ouais, c'est ça ton... Donc, non, c'est vrai qu'on gagne, quand même, à la fin. Ouais, mais le pauvre, il a que ça dans la vie. Si. Mais c'est extraordinaire. C'est incroyable. J'envoie la pub.
je peux plus. Il y a la pause, ils ont pas arrêté de doser la pause, ouais. Les vrais jeux. Ouais, voilà. Au vrai jeu. Bienvenue dans Rage Quit. Nous sommes les oui, ils ont gagné un petit saut. Bah, les gars, l'émission. Le CNI. L'émission. L'émission. Moi, je suis en émission là. Oui, ouais, on est en émission totale. Mais oui, mais on parle aux gens. Oui, on vous parle. On vous parle. Donc, on mène 6-4. Honnêtement, d'ailleurs. Voilà, honnêtement. Là, il n'y a pas eu de config. Non. Il reste 5 jeux avant de passer au jeu caché, qui rapporte 5 points. Okay. D'accord. On y part. Très bien, c'est parti. Et d'ailleurs, il reste quelques petites paires, là, quand même. On peut voir cette liste. Il y a un vrai jeu et des jeux bizarres. Il n'y a que des jeux bizarres. Ouh! Alors, c'est, a priori, il y a un jeu de foot, mais pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer, Biggie? Alors, Dream Soccer, qui est encore un jeu IRM, donc un jeu de sport IRM, hein, il faut le souligner, c'est très rare. Et là, c'est un jeu de foot en versus, un jeu de fou, où on peut taper ses adversaires de manière fort lâchement. Taper les gens pour vivre. Et l'arbitre aussi. Et l'arbitre donc, aussi. C'est un jeu de foot, et on peut se transformer en super guerrier. Tout à fait. En fait, on a une barre. En fait, selon la situation qui va se passer. Un de nos personnages va être en Super Saiyan et il va pouvoir faire un tir à la Olivier Tom et pouvoir transpercer les cages. Tout à l'heure, Monsieur Karaté m'a fait un coup que je n'avais jamais vu. Il nous a fait un saucer brawl. Ah ouais. Il a tiré dans l'angle. Le ballon a rebondi dans, dans la tribune. Et il est rentré dans la cage et il a transpercé Bien évidemment. Oui. C'est normal. Comme dans la vraie vie. Alors, avant de lancer le jeu, on va donner le vainqueur, on monte la manette. Qui a gagné la manette, hein, bien sûr, on va... Alors, le vainqueur est très important. Nul Black, il faudra absolument... Nul. Il faudra absolument récupérer les coordonnées du vainqueur. Donc, celui qui a gagné, il faudra donner tes coordonnées à Nul Black. Voilà, c'est important. Voilà, lance le résultat qui va bientôt apparaître dans le chat de votre stream. Et je vois... Le tirage au sort, c'est Enzbok qui a gagné. Enzbok. Ah, je le connais. Le fameux. Non. Bravo Enzbok pour avoir gagné le truc. Il doit être heureux là où il est. Oui, de là où il est. Tu nous salues là-haut. On pense à lui. GG Enzbok. Donc il faut que New Black récupère tes coordonnées pour que on remercie Christophe et PDP hein, qui va pouvoir faire parvenir ce magnifique pad. Ah, Msobeka. Bah oui. Msobeka, ça va l'avoir. Msobeka, bah c'est pas grave. Msobok. Ouais, bref. Ok. GG, en tout cas. GG. Et est-ce que le jeu. On a tiré un jeu, hein. Faudrait peut-être le mettre, Biggie. On va peut-être mettre Saucer. Ouais, non, mais vas-y. Saucer. Il a joué le jeu même de sa soirée. Il le lâche. Je suis en train de me saucer, mais. Sur autre chose. On va y jouer à un moment donné, de toute façon. Je suis en train de me saucer. Alors, Karaté, j'ai laissé commenter, je sais pas jouer à ça. Hein. Non, c'est IRM, c'est pas Data East là. C'est IRM, bah oui, c'est un jeu d'IRM. Oui, hein. Mais c'est parce qu'il dit Saucer Brawl. Oui, mais c'est Saucer. Non, oui, Soccer Brawl, c'est Neo Geo, oui. C'est pas Soccer Brawl là. Oui, on sait. Là, ça s'appelle comment Alors, Soccer C'est un jeu de foot, c'est un jeu de foot extraordinaire où on peut se taper et écouter bien parce qu'il y a les commentaires. Qui sont incroyables. En japonais. Un des meilleurs jeux de foot arcade de l'histoire, complètement sous-estimé, jamais converti. Oui, c'est ça. Moi qui suis très fan de... Je parlais de... Comment si tu veux, je m'en fous. Moi. De jeux de foot d'arcade. Et vraiment, en mode arcade, celui-là est l'un des meilleurs. Arcade à la maison. Tout meilleur. Monsieur Quaraté, c'est pas toi. En tout cas, moi, je suis épaté par la qualité d'animation. On va changer, on va changer. Prenez Monsieur Quaraté. C'est assez Le 1P. Il faut que tu aies le 2P, en fait, Quaraté. Bah, j'ai appuyé en deuxième, pourtant. Mais le 1P, le 2P, c'est le jeu foot, on s'en fout, les gars. T'es le 2P, là. Oui. Mais côté T2, Quaraté. Allemagne-Brésil. On va découvrir ce magnifique jeu, quand même. Brésil, Germanie. En 94. Écoutez les voix digites, regardez les animations, ce jeu est absolument fantastique. On comprend pas pourquoi on l'a jamais découvert, c'est une petite merveille. Moi je le trouve très proche de Super Sidekick 1. Ouais, la vitesse du jeu. Et regarde sur tous les coups, quand t'as pas la balle, les coups tu peux te prendre. T'as gagné, t'as marqué, t'as marqué ouais. Oh là là, voilà le champion, le Portugal. Et en plus, il fait des gestes qui sont interdits. Des gestes obscènes. Des gestes obscènes. C'est un Allemand. Ah, la strat, on connaît les strats. Pourtant, c'est le jeu de Biggie. Hein.
Ouais, j'aime bien. Regarde, Biggie, il a des super... Je te jure, en plus, elle est... Oh, t'as vu ? Regarde le kick ! Non, non, moi, je suis ici ! Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas faute. Oh, oh penalty. Ouais, oh, bah, bien sûr. Attention, les gars. Regarde, il enflamme. Il est en super gagné. Free kick ! Free kick ! Mais pourquoi t'es free kick là ? C'est quoi ces règles ? Bah, c'est free kick, ça. Attends, mais il a... Oh, oui ! Oh, man. Par contre, en jeu 18. Attends, mais le coup franc dans la surface ! Y'a pas de pénalty ou quoi ? Ils l'ont pas programmé. Ça n'a aucun sens. Mais c'est terrible. Ils ont pas programmé le péno ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais même pas en cas d'égalité ce qui se passe. Voilà, le tonton il est tout seul là. Oh là il a pas là. C'est incroyable, tu peux tuer les caméramans, mais. Oh. Il est pas génial ce jeu. Franchement. Oh là là. Mais lui il a le droit de jouer. Il a tous les droits. Quand la pique. C'est clairement pas du foot, mais c'est bien. C'est vraiment un jeu de combat pour le coup. Je t'en avais dit que c'était un jeu de baston. Tu vas arrêter de te plaindre. Des bornes de cul, des tatsumaki. C'est faux ça, monsieur l'arbitre. Bah il a rien. Boum, bien sûr. Celui qui récupère, c'est celui qui perd. Et là, droit au but. Ta mère. Ah ouais. Il est où ? Ah, il y a un petit problème de fin. Problème de fin. Ça se tape tellement. Oh, il a fait. T'as vu, il a fait une kick. Il fait un moment, faut tirer. Un peu, là. En fait, faut pas garder la balle, sinon tu te fais sécher. Hein. Oh, mais t'as vu, il a fait le couteau dans quel kick là ? C'est à l'arriette. Oh, bien terminé. Là. Terminé, c'est deux jeux. Allez, ouais, Aken. J'avoue que c'est mieux de jouer. On va reset le jeu. Faire reset après. Ah là là. C'est mieux de jouer au moins avec. C'est quoi les boutons ? Je peux prendre mon stick. C'est les deux bouts, les deux premiers. Je prends mon stick. C'est les deux premiers. Là. C'est deux premiers. Donc ça, c'est l'attaque spéciale pour mettre le coup de pied un peu violent. C'est pas un chef d'œuvre. Deux boutons en même temps. Voilà. Donc ça, c'est passe courte. Et là-bas, c'est passe longue. Et le tir, c'est le premier bouton. Quand t'as la balle. Quand t'as la balle. Quand t'es en Super Saiyan, tu appuies une fois sur le premier bouton. Tu fais un super tir. Ça, ça fait passe, ça fait tir. Et ça, c'est l'autre bouton. C'est le bouton. Attends, t'es bien. T'es toujours P2, c'est bon ? Je suis 2 là, je crois. Mais faut peut-être faire start. Start et que je n'appuie. Peut-être faire des crédits. Non, je suis P2. Non, il n'y a pas besoin, j'ai mis une free play. Quoi ? T'es P2 là ? Qui est P2 ? C'est moi qui suis P2. Bah, rechanger les sticks. Mais on choisit un. Mais non ! C'est bon, il est l'Argentine, je suis l'Allemagne. C'est un jeu. Ça change quoi ? C'est l'Argentine, je suis l'Allemagne, voilà, c'est fini. Parce que c'est inversé par rapport à l'écran et aux gens qui regardent. Bah, à l'écran, franchement. Bon, bah, karaté joue l'Allemagne, voilà. Karaté joue l'Allemagne. Tiens, Maradona. Karaté l'Allemagne. L'Allemagne, toujours, hein, la puissance. Regardez, il est invincible. J'ai jamais joué de ma vie, du coup, à jeu. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, c'est comme ça. Oh bon, il y a faute. Mais il y a faute, là. Là, je l'ai vu. C'est quoi en fait, la différence avec les autres coups ? Si tu tapes de face, il y a faute. Non, ça dépend quand l'arbitre. Faut taper dans le dos. Faut taper dans le dos. C'est quand l'arbitre le voit ou le voit pas, en fait. Ah. Ceci explique cela. Bah oui, ah, oui là il y a faute, tu vas voir. En Mitty. Oh le Mitty parfait. Petit bouton. Petit. Oui Ken il est là. Mais oui Ken il est totalement là. Ah ouais. Je peux pas taper le goal. Il n'y a pas eu but hein. Non, il n'y a pas eu but. Non, il n'y a pas eu but. Ça crie beaucoup quand même pour un pas but. C'est le foot le foot. Ah c'est pas mal ça. Oh il lui a mis Barton. Il lui a mis. Oh, ah, j'ai quand même réussi à tirer en pleine lucarne quelque part, mais de l'autre côté. Oh là là. Vas-y, tire. T'aurais fait une super tir. J'ai fait, j'ai appuyé sur le bouton. Il a bug. Il a totalement bugué. C'est le son qui a bugué. Ouais. Oh il lui a mis un fan. Ah, d'accord. Une faute, hein. C'est... Moi j'ai vu. Hein. Ah, le son il bug complètement. Ouais. Oh oui! Oh le pire but de l'histoire! Oh le gardien de la paix! Chevelu! Et c'est pas lui! C'est pas lui qui célèbre en plus! T'avais un blond! C'est un autre gars! C'est un autre mec qui célèbre le but! C'est la base! Il y en avait qu'un pour célébrer, ouais. Argentin! Viens célébrer! Hop! Ok, deux tops! Je vois la formation! Voilà, c'est bon, t'as karaté là! J'ai pas envie de jouer. T'as mis ses coups spéciaux. Si j'avais Ludo avec moi ce jeu là. Oh, il y a faute. Ah merci. Bizarrement. Ouais. Pourquoi là il y a 6. Non mais c'est clairement faute.
un peu de justice. Un free kick avec le mec qui a les pouvoirs. Ouh, elle est où la balle? Ah, il y a eu un attentat. Le mec, il est de l'autre côté de la cage. Il y a eu un attentat. C'est le meilleur jeu de foot de l'histoire. Non, pourquoi? C'est le meilleur jeu de foot de l'histoire. Le jeu, il part complètement en sucette. Game set. Et ça gagne. Oui, ça gagne. C'est pour moi que je remets ça alors que c'était toi. Attends, je reset le jeu. Ah bon? Attends, monsieur, on va complètement reset. Attends, pas comme ça. Ah, d'accord. Marcus, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Laisse. On a Ken Bogard qui est... Non. Ah, le jeu est complètement bugué, j'ai rien compris. Je sais qu'on a la version originale à la maison, mais... C'est bon, il va recharger. Oh. Il est pas bien fini, le jeu. Je pense qu'il est jamais sorti, non? Si. Il est sorti? Oui. D'accord, ok. Nous sommes en location. Alors, c'est quoi les boutons, Biggie? Après sortie. Hein? C'est quoi les boutons? Il y a deux boutons. Petit, on va dire passe courte, premier bouton. Ouais. Passe longue, deuxième bouton. Ouais. D'accord. Et les deux boutons en même temps pour le coup spécial. La faute. Les deux là? La faute. Ouais. Mais c'est quoi le tir? Le tir, c'est le premier bouton. Mais tu m'as dit que c'était passe courte. Oui, mais c'est passe courte quand t'as le ballon, quand tu fais des passes, quoi. C'est comme Super Sidekick. Voilà, c'est ça. Okay. C'est, tu tires, mais j'ai rien fait moi là. C'est le même bouton. C'est moi qui ai joué. Je sais pas pourquoi je suis PS2 tout le temps, mais c'est comme ça. Mon avis, il doit reconnaître ce stick là. Attends, passe-moi ce stick. Ah oh là, lui. Mais qui prend le Japon? Passe-moi ce stick. Mais qui prend le Japon? Mais personne veut le Japon. T'as juste appuyé sur start, frère, c'est tout. Non. Ah là. Il appuie sur start et c'est bon ça. Non, c'est trop tard. Mais fais reset, Biggie. Attends, on va reset le jeu parce que là. La maladie. Donc il veut qu'on change de stick. Attends, donne-moi le P2 quand on saura qui est le P2. C'est celui-là tout le temps, le P2. Il n'y a pas de mind game, c'est celui-là tout le temps, c'est le P2. Il va appuyer sur start, il sera player 2. Donc tu vois, tu vas appuyer sur start, tu seras player 2. Dream Soccer 94, exactement. Mm. Donc je réitère ma question, qui a gagné la Coupe du Monde en 1994? C'est pas le Brésil? C'est le Brésil. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais, je crois, ouais. Ken. Ouais, c'est ça. C'est toi qui dois appuyer sur start, appuie sur start. Avant de me remixer. Voilà, ensuite j'appuie, voilà, je suis player 1. Oui, parce que lui, dans le setup des boutons, il te demande player 2 start. Là, oui, c'est ton stick, t'as on l'a mappé en player 2 start. Ah, tonton, t'as muté les boutons, toi? Non. Oui, j'ai. Ah, il a mis du silencieux. Ouais. Alors, donc là, c'est tout est sur mon dos, c'est ça? C'est ça. Pas tout, non, moi j'ai battu Billy quand même. Oui, mais c'est pas grave, on a Ken Bogard qui est le meilleur joueur à ce jeu. Ça compte pas quand c'est pas du jeu. Bah, si, je suis plus fort. Ah bon? On a Ken Bogard qui est le nouveau champion du monde. Très belle formation. Tout va bien. Donc là, t'as Romario. Voilà, y a c'est quoi le de taper quand t'as pas la balle? C'est quoi? C'est deux boutons. Les deux boutons en même temps pour faire la grosse faute, sinon c'est le deuxième bouton pour faire le tacle honnête. Mais personne n'utilise l'honnêteté. Là, tu pilonnes. Oh, dommage. Autre tape. Oui. Oh, ouais, voilà. Le goal n'a pas voulu jouer. Parfois, le goal est aux abonnés absents. Heureusement, je suis là. Ouais, il a fait le signe de croix et tout. Ils sont très croyants. Les Brésiliens. Oui, tout à fait. Attention. Tu frappes, s'il te plaît, merci. Voilà. Mais par contre, mec, il a pris un... Oh, le rouge direct. Oh, l'arbitre, m'a dans le rouge. T'as mis un high kick. C'est mal parti. T'as mis un high kick dans la garde. Hein. Avec un rouge, on peut quand même dire que c'est mal engagé. Hein. Mais non, mais j'essaye, mais... Il y a le tacle avec le bouton 2 aussi. Hein. C'est, le tacle honnête, tu peux faire le tacle honnête. Le tacle à l'âle, il marche. Hein. Voilà celui-là. Oh le lariat. Mais là, il n'y a rien. Mais pourquoi tu. Voilà, fais des passes à des gens. Voilà. Repasse encore. Il y a quelqu'un devant. Mais non, j'ai pas eu le temps de passer. Mais non, parce que t'as bougé. Il t'a pris en grip. Ouais, il m'a pris en grip. Comme tonton tout à l'heure, il avait pris en grip. Fais la passe en bas. En bas. Et là, tu tires. Oh là là. Dommage. Retire, oui. Oh le poteau sur la tête plongeante. Mais tire dans les cages. Mais j'essaye. Oh là là. Attention, là, tous tes joueurs sont. Bah ouais, mais. Pour récupérer la balle, il faut faire mal. Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Je peux voir les pubs pour Undercover Cop juste en haut. Ah ouais. Vas-y. On est bien chez IRM. Tacle. Voilà, merci. Voilà, une petite passe. On est l'arrière. Il s'est passé trop de choses. Passe, mais tire. Mais t'es que tu crois que je fais quoi? T'es tout seul. Fauche. Oui, fais la passe. Super tir. Oui. Il a troué les cages, messieurs, dames. C'est Maradona. C'est Maradona en même temps, c'est Maradona. Il se signe lui aussi. Mais Madonna. C'est pas le bon joueur. Cette animation. Ouais, mais il est content, c'est un argentin content. Cette animation, incroyable. C'est fou, hein.
Ouh, ça, voilà. Oula, attention, là, ça a l'air d'être énervé. Hein. Bah, il passe lui la balle et tu tires. Tiens, fais le tir de fort, de loin. Mais arrête, t'as pas faute, frère. Rouge. Et tu peux faire le super. Mais je sais comment le faire. Mais t'appuies, t'appuies. Non, t'appuies pas, c'est fruit. Voilà. Bah, j'ai appuyé. Oh là, tu l'as voulu chahouette son propre gardien. Il y a intention de lui, voilà. Oh là là, mais lui, jamais. Mais lui, il a jamais. La tire. Mais j'ai tiré, mais. Retire, tire. On est là, il y a faute. Non, mais c'est mort, il va rouge. Ah voilà, il va finir à toi. Il reste une seconde, c'est quoi? Non, parce que je pense que le nombre de rouges va me faire perdre. Non. Tire, mais c'est fini. Tire. Oh là là. Pénalty. Les pénaltys. Bon, bah là, c'est direction et tir. Direction et tir, mais comment tu veux que je sache? Oh, je l'ai sorti. Tu l'as sorti, bien joué. Mais qui a fait ça? Bien joué. C'est toi qui as sorti. Ouais, c'est toi qui as sorti. C'est moi? Vas-y, là, tu marques. Oh le sac à merde. Pardon. C'est génial, je voulais pas dire ça. J'ai ripé. Désolé. Oh là là, il a bien. Goal. Goal. Tiens, dans les cages. Voilà. Goal. Oh non, il y a même la pub pour Galop. Gun Force aussi. Attention. Ouais. Mais c'est quoi, je pense dans la bonne direction, c'est quoi le... C'est quoi le délire? Sérieusement? Je sais pas, il est sorti les gants de pêche. Oh non! Pareil, on a Goal. Je vais être tranquille. Là, c'est à gauche. Hein. C'est attention, regarde où tu tires. Oh là là, je suis à gauche. Ah oui, il allait changer de côté ce sac. Oh non! Bien joué. C'est bidirection, je crois. Environ 12, je crois. Sur place, le classique. Mais j'ai pas bougé là, mais il est trop. Mais c'est quoi cette histoire? Mais j'ai fait... Vas-y, arrête, marque, si tu marques, y'a pas de soucis. Voilà, le contre-pied. Magnifique, le contre-pied. Mais j'ai pas bougé. Ah, dernier, c'est pas égalité. Mais c'est pas... Oh là, ça veut pas, hein, ça veut pas arrêter. Hein. Ça s'arrêtera jamais. Oh là là, 6, 7, 9, 10, on est là jusqu'à demain matin. Tu l'as, bien sûr, bien sûr. Tu veux faire... C'est vraiment au pif, hein, donc. C'est belle séance. Moi j'y suis pour rien. Hein. Ah oui. Oh là là. Magnifique. Allez Ken, va chercher au fond de toi le gardien. Non, c'est bon là. Oh ça passe. Elle est dedans, attention à son maximum. La gamelle. Oh d'accord, j'ai tiré sans faire exprès. Il a quand même bougé, c'est ça qui est ouf. Les goals vont devoir tirer à un moment, c'est vrai. Oh non! Oh là là, solide. Solido Snake. Attention, alors il se décale, il joue un tox. Oh là là, le contre-pied magnifique. Attention, c'est tendu, on va mourir là. Hein. Oh non! Lui en dessous. C'est impossible! On va mourir là. Attention! À 10, on passe les sticks à Billy. Allez, oh là là, franchement, il y avait attention. Attention. Allez Ken, allez. Là, il connaît, tu connais. Oh oui, c'est incroyable. Oui, bravo. Décisif du gardien. Là maintenant, on commence à être légitime. Là, on peut dire qu'on est légitime. On n'a pas volé cette victoire. Exactement. Parce que j'ai... Oh oui, Greg, il la sort. Exactement. Oh oui, Greg, il la sort. Exactement ça. Et là, les amis, avec 3 cartons rouges quand même au cours de la partie. Eh oui, l'arbitre, la justice. L'arbitre qui sifflait que des fautes pour nous et pas pour eux. En fait, c'est au pif, l'arbitre il choisit. Mais je comprends pourquoi d'Horizon il voulait le player 2 parce qu'il siffle que le player 1. Ouais, c'est ça. Le jeu il est programmé comme ça. Tu savais ça toi? Non. Ah, moi j'étais en player 2. Et t'as jamais pris une faute? Non. T'as jamais pris une faute? Non, parce que moi j'ai changé. T'as gagné? T'as changé, oui. Ouais, et après, j'ai été PA, j'ai perdu. Mais ce que t'as retiré. Ouais. Bon, karaté, on lâche pas. Ce n'est pas terminé. Je vous donne quand même votre rustique. Ouais. Crucifié. Gagné grâce au stick de karaté, crucifié. Un peu gagné pour tous vous, ceux qui avaient eu ce stick ont gagné à chaque fois. Hein. Je pense que c'est le stick des vainqueurs. Non, je sais crucifié. Stick des vainqueurs. Non, je sais t'envoler. Bien joué, je... Okay. On passe à autre chose. On oublie ce qui vient de se passer. Je sais pas. Comme sur Rainbow d'Horizon. Non, je... T'as oublié? Tant qu'il n'y a pas Fight Fever, on peut Ton pas frère, tu te souviens? Kurt, tu te souviens? Ton frère.
Ah. Moi, j'aurais préféré le Golden. Moi, j'aurais préféré le Golden. Tu mix, toi. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, Biggie, en fait, pour que les gens puissent suivre. C'est le jeu préféré de Xavier. Un jeu maléfique. Donc, c'est un jeu maléfique, c'est Street Fighter 2 Mix, qui est un fan game fait par des Brésiliens. Il faut savoir que le jeu tourne sur la PCB originale. Donc on a la PCB originale qu'on reprogramme de pour CPS1, jouer. Tu as juste à reprogrammer les EPROM avec le jeu qui est mis à disposition par les créateurs du jeu. Et en fait, tu peux y jouer sur la board originale. Et voilà, il existe plusieurs versions. Celle-là, c'est la version 1. Il y a une version encore plus avancée maintenant. Je crois que c'est la 1.6 ou quelque chose comme ça. Il faut d'abord mettre des crédits. Ouais, c'est un stick arcade, en fait. Putain, il me le faut, ce truc. Voilà. Start. Alors, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est... qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, en fait? Alors, c'est Street Fighter 2 Champion Edition qui a été revisité avec des dashs, des back dashs, des petits sauts, des perfect guards. Ah ouais? Ouais, exactement. Donc, il y a des petits sauts, des perfect guards, des nouveaux coups avec des dash cancel. Et c'est pas craqué comme Rainbow, quoi. C'est juste des fun. Tu vois, regarde, il dit il y a roulade, trois sauts dash, il explique tout. Il y a roulade, quand il y a roulade. Et pourquoi je compte Ken? Il y a Just Defend aussi, dit, comme dans... Et tu peux... Comment tu fais la roulade? Juste, je te donne un coup à Senka. Tu peux faire saut gros pied cancel Tatsu. Quand t'as touché. Saut gros pied cancel Tatsu. Tu ne sauras pas le faire, c'est pas un sanguin. Oh, t'as fait un cadeau. Fait cadeau. Oh, voilà, il fait le fake pour être sûr de pas pouvoir regagner. Oh ouais, c'est fort ça. Deux light pour la roulade, il dit Xavier. Non mais c'est... Et deux light pour la roulade. Oh là là, comme dans le coffre. Comme dans le coffre. Mais j'ai voulu faire roulade. Oh, c'est beau. Ça combotte. Et les deux lights, c'est lesquels deux lights aussi? Les deux lights. Alors moi, gars, je sais pas si j'ai droit. Ou deux petits points. Deux petits points, je crois qu'il a fait. Okay. Tu fais petit point et petit pied ou... Le jeu de l'immondice Yoshin dit. Assez maléfique. Hein. LPLK, tu vois, LPLK, il dit. Voilà, ouais, c'est ça, c'est comme coffre. Alors c'est... Ah, il a fait le cadeau, ce ouais, mais gars, il avec. Liston fait un combo. Pouvoir reset. Tu connais. Il connaît pas. Oh, il a moyen Shoryu enflammé. Regarde, t'as vu? C'est un karaté. J'ai entendu ça, quand même. C'est une insulte, Dieu. C'est une insulte ou quoi? Oui. Sakam RD. RD, bien sûr. Voilà. Mena RD. Le first strike. Fanou dit rage quit. Fanou dit rage quit. Il peut le dire. Disons-le. Il dit garde super. Il y a une super, donc c'est bien ça. Tu vois? La barre sert à tout. T'as vu, la barre, elle fait tout. Ouais, c'est toutes les ressources sont sur la barre. Là, j'ai du mal à savoir. Xavier, tu peux nous donner la super avec Gaël? Si tu peux. Aiguille. Guile avec Guilé avec des lunettes. Voilà, le gars de karaté, on est bien. Charge. Charge bas, haut et deux kicks, il dit Xavier. Merci Xavier. Celui-là, il est totalement en hommage pour toi, hein, Xavier. Enfin, je voulais te le dire. Ce jeu est totalement là en hommage pour toi. N'en déplaise à notre ami Géronimo. Ah, il fait des perfects gardes, tonton. C'est vraiment pensable le. Oui, voilà, je me suis pris des phases de roulade. Pareil, j'ai essayé de faire petit saut. On a gagné. Il a un meilleur mulet. Je sais pas la pause qu'il fait là à la fin. Écoute, il fait une pause. Et donc, ils ont changé aussi les couleurs des décors et des trucs dans les décors. Ouais, complètement.
Oui, tout à fait. Et il y a, une alternance entre le premier round et le deuxième round. Tu peux te retrouver la nuit et tout. Mais non, il y a un vrai souci de... C'est un fan game, hein. Un vrai souci d'état. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'était mieux dans le... Tonton, joue la campouse, là, ce que tu faisais avant. On se fait déboîter. Ça va, il y a un run pour Tonton, quand même. Le Sonic Boom MP sert à launcher pour Juggle. Ah ouais, d'accord, ok, c'est vraiment un starter de prix aussi. Ah, c'est le MP, ça. Bien joué. Allez, on l'a pas. On meurt. Il a fait super bien, ça. Allez, on reste. C'est la super, ça. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai essayé de le faire aussi. Xanthor mais... dit le gars il avec les Ray-Ban du marché. Ça sent pas vrai. Le tonton il est là, hein, il est totalement là. Oh là, ça joue à Koff ici. Ah, ça joue à Koff. Ouais, mais la roulade tu te fais punir direct. Enfin, les frames de recovery. J'aurais jamais dû vous aider, j'aurais dû. J'essaie de faire des nouveaux trucs, des voix. C'est gag aussi. Ah là là. Ouais. Courir, MK, ça passe au-dessus des boules, il dit. What? Ouais. Ah. Petit jab. Bravo Ken Bogart. Heureusement qu'on avait le meilleur guile du monde. Donc un nouveau point pour nous. Un bon jeu. Il a un très très bon jeu. Très bon jeu. Incroyable, hein, tout ce qui a été inventé par des Brésiliens. Je te rappelle qu'ils jouent à Champion Edition depuis des 800 temps immémoriaux. Ah, c'est ça, ça sent pas la gagne. C'est ça. Mais si, de toute façon, il y a le dernier jeu qui vaut 5 points. Ça va. Ça va. Ah, bah, s'ils ont plus de 5 points d'avance, ça va être difficile. Hein. Ça va. Mais il reste encore quand même 3 jeux, dont Fight Fever que je n'ai. Voilà. Bon, va falloir qu'on trouve quelque chose. Mais arrête d'être triste d'horizon là. Je suis pas triste. Franchement, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Bah, même au meilleur. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est la vie. Je suis pas triste. Je suis heureux de jouer à ces magnifiques jeux avec vous, les enfants. Bah, tu vois, merci, voilà. Merci. Ça, c'est l'esprit. On est heureux, nous aussi. C'est le bonheur, ouais. Hein, franchement. Oh non. Aïe. The Typhon. Of the Typhon. Qu'est-ce que c'est? Tiens, ça alors, c'est tu peux nous raconter ça, Ken ou pas? Alors, Eyes of Typhon nous raconte quand même l'histoire. Racontez. En fait, c'est un jeu qui est d'abord sorti sur 3DO, oh là là. Coréen, version coréenne, uniquement au milieu des années 90. Il coûte très cher. Hein. Voilà, le jeu était développé par les génies qui ont fait Fight Fever, Viacom. Et il faut savoir que le président de Viacom, donc une boîte coréenne, pourquoi est-ce qu'il pouvait développer des jeux chez SNK même si c'était des poubelles? C'est parce qu'il s'appelait Kim Kapwam. En fait, et c'est de son nom qu'est né le perso de Kim. Mais non. C'est le pote du président de SNK à l'époque. Et donc ils font Fight Fever, après ils font Eyes of Typhoon, qui devait sortir sur Neo Geo. Mais il a été annulé à l'époque. Il est sorti sur 3DO version coréenne. Dommage. Aujourd'hui, la version 3DO coréenne d'origine vaut plusieurs milliers d'euros, elle est introuvable. Et tu l'as? Non, ça c'est une réédition qui est sortie il y a 2 ans, par la même boîte. Mais du coup, elle ne vaut pas du tout ce prix-là, c'est le prix d'une réédition, tu vois. Bien sûr. Et pour y jouer sur 3DO, il est infect, il tourne en 15 images par seconde, il est dégueulasse. Mais des fans ont finalement refait le jeu Neo Geo en version arcade. Et c'est à ce jeu-là qu'on va jouer ce soir. L'équipe qui a terminé le jeu s'appelle la Team Balek. Quoi? Oui, la Team Balek. Mais d'ailleurs, le jeu... Balek, tu vois, 2022. Il n'y avait pas l'histoire quand on fait... Balek 2022, incroyable. Si on veut le faire. Faut le faire. Ah, Banco, double impact. Si on gagne, on prend 2 points. Si on perd, on prend moins 1. D'accord. Il a fait double, il a fait Banco. Let's go. Voilà. Tu joues qui, là? T'es bien P2. Je vais prendre Natacha. Voilà. Tu vas prendre ta Natacha. Chat léger. Quoi? Chat léger. T'as Natacha? Non, c'est lui qui joue Natacha. Toi, tu joues qui? C'est qui jouait? Natacha est trop sale. Je vais jouer. Je joue ton perso. D'Alma. Mais t'as pas de perso? D'Alma. Je crois que c'est lui que je jouais. D'Alma. Le vieux là? Patricia Cass. Le coup du Brésil. Attends, mais non, c'est pas lui. Attends, j'ai pas. C'est les Alocs. Il y a 4 boutons. Il y a 4 boutons. C'est un jeu néo. Il y a 4 boutons. Ça, c'est son second pion ou quoi? C'est pas possible. T'as pris ta Natacha, Can? Ah non, non, c'est Biggie qui joue là, ouais. Ah, la Natacha de Biggie. Oh, il y a Biggie du canon. C'est pas de la perle. Ah, le Dharma de karaté. Bah, tant que tu connais Natacha, il est dégueulasse. Bah, tant que tu connais pas les entières, c'est impossible de
de tuer un personnage. Waouh ouais, il y a un touchant de son dalma. C'est le coup de nicotine. Ouais, nicotine, caféine. Incroyable. Waouh, mais c'est limite une sorte de guac un peu. Attends, mais est-ce que cette Natacha a des projets? Je sais pas. Faut que tu sautes, hein, que tu gagnes le combat aérien. Ouais. Hein. Voilà, au moins tu essaies de gagner le combat aérien. Parce que... Elle a une main qui dénonce. Putain, elle a mis stun en deux secondes. On a rien vu du jeu, malheureusement, là. Ouais, s'il fait ça, faut quelqu'un qui a un dragon à l'insigne. Ah, mais attention, le jeu est, pas, est vraiment pas terminé. Il y a des trucs, c'est pas équilibré. Un peu comme. Bizarrement, un peu comme Dalma, trucs, quoi. C'est pas équilibré. Ah, c'est la vérité. Un peu comme Dalma. Il y a des trucs. Ah, Dalma, est-ce que c'est pas un chef Dalma, il a l'air fumé, pas équilibré. Hein. Ouais, les dalmatiens. Oh, chat léger. Chat léger, un chat léger. Un chat léger. Donc, on a Nelson Montfort, on a le roi qui est un Terry Andy Bogard. Oh là, mais ça, ça a l'air d'être le main de la vie. Hein. On a Mui. On a Jarkil. Jarkil, tu es en haut. Elle, c'est Mai. Si tu connais Mai, elle se joue comme Mai. D'accord. Oui, mais c'est fort. Hein. On a Shungong. En bas, il y a Mai. Hein. Ah, il y a un Musashi. Il y a un Musashi. Attends, Musashi. Je suis fidèle à. Ah, les Alok. Il a pris les Alok. Regarde, les Alok. Les Alok. Les Alok. Donc alors. Il a un bâtard. Il a le bout qui gagne. Les allocs. Ouais, d'accord, c'est pas fini. Bon, il a stun. Ah bon, bon la chope. Oula, on a un Ken Bogard qui est présent. Je sais pas. Hein. Il est tellement là, là. Je sais pas. Heureusement que j'ai carat. C'est quoi ce match? C'est quoi ce truc? Je sais pas si je suis là, hein, sincèrement. Là, t'as gagné contre le pont de l'Alma. J'applique la stratégie. Maya. Stratégie Maya, ouais. Bien la stratégie du saut gros pied, j'ai pas trop le temps de découvrir les. Ouais, le karaté, faut quelque chose, j'ai pas joué moi. Y'a pas de. On laisse pas trop le temps à la découverte hein, par ici. Pourquoi ça touche derrière En fait, les personnes ont pas le temps de se retourner. Hein. Oh, le bas petit point. Le bas petit point en hit. Oh, en combo. Oh, la chope. Ah, mais même Jean-Claude ouais. Même Jean-Claude n'en peut plus. Je crois qu'il était que dans Mortal Kombat. Ah, j'ai un petit point. J'ai un petit point. L'homme du pilier. Tu te rends compte, dans cette émission, on crée les champions du monde. On crée ouais, des champions du monde. Tu vas jouer le perso que je vais te dire. Okay. Tu sais, lui, il est très énervé. Vas-y, dis-moi. Tu gardes ton talop. Hein. Tu l'as c'est pas ce que j'ai fait. Tu gardes les alopes. Moi, je nuit talop. Il a la disparition. Mais je fais quoi alors Carrière Talop. Ouais, tu fais Carrière. Putain, il a pris Michael Jackson, tu vois, mais il arrive en moonwalk. Tu vois, le petit point sur le machin. Il a demi-avant, il jette une bombe aussi. Mais point, demi-avant-point. Ouais. Et bon. L'autre c'est. Là, ils ont séparé 6 pieds. Bah, s'il laisse pas pied. Trop à la découverte. Carrière pied. Et il a une charge aussi. Oh, enfin, il a une boule, il a une boule aussi. Il a une boule. Bon, sinon, essaye pas de faire des manips. Hein, parce que franchement. Voilà ça, tu vois. Et si tu fais petit, il est. Mais le mieux c'est de faire l'autre, le gros. Voilà, celle-là ou l'autre. Et tu peux varier les plaisirs. Ah, c'est pas casse-garde. Ah, bon, on est foutu. Super. Par contre, merci. Il a une charge arrière avant. Il a charge arrière avant-point qui est très forte. Charge okay. arrière avant-point. J'ai enfin réussi un coup spécial. Oh arrière avant-point. Oh, je crois que c'est mais le. Mais ça y est, il fait petit point, ça compte pas. Parce que t'as l'envol du condor. Trop de temps à sortir. L'envol du condor. Arrière avant, petit point. L'envol du condor. Alors j'attendais Lilith, c'est Fighter 6, mais voilà, je pense que je vais jouer les Alok. Hein. Il va jouer les Alok. Voilà, t'as demi-avant-pied, point, tu fais une boule aussi. Mais là, je pense... Fais des boules, hein, voilà, fais des ça boules, c'est hein. pas mal. Ça c'est pas mal, tu vois, là, tu l'as fait. Ah, voilà, ça, tu refais. Mais j'essaye. Mais c'est arrière-avant, oh, charge arrière-avant. On a eu une charge arrière-avant, petit point. Lèvre de voilà, feu. Tu vois. Voilà. Ah, ça a l'air de le tout. Ouais, ça a l'air de le touiller, ça. La charge arrière avant point. Ah, voilà, il chope-le. Bien joué, ça. Voilà, le TP. Voilà, il connaît pas. Bien joué. Voilà, il connaît pas. Bien joué. Il connaît bon, pas. Voilà. Ouais, ça fait zéro dégâts alors que tu risques ta vie. Ouais. Tu commences à apprécier le perso. Il est bien, il est bien. Regarde comment il arrive. Regarde comment il arrive. Moonwalk. Le charisme. En moonwalk. Oh là 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 là. S'il te plaît, respect. Sir Taki. Bah, refais la charge qu'il faisait entière là. Le charge arrière avant point un petit point. Voilà ça. Oh. Voilà ça, regarde stun.
Battle Link. Voilà, tu refais. Tu me le mokubinises avec ça. Tu me le mokubinises. Oh, encore again and again. Again and again. Voilà, refais. Oh là là, la meilleure garde de l'Ouest parisien. Vas-y, chape-le. Hop. Machin, essaye de varier là. Ok. Ah. Voilà, il est où? Preuve, refais. Oh, machin. Charge arrière avant. Oui, défends-toi. Voilà. C'est ça. C'est ça la bedaine, mon gars. Cette bedaine, cette danse de la bedaine. Mais en fait, on avait fait qui tout double, non? Ah, là, c'est oui, pas fini, ça. Non, on l'a battu, tu l'as battu, Biggie. Ouais, j'ai mis. Ah, non, 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 deux points alors. Gagné, hein. Ouais, bien sûr. Ça a gagné, c'est deux points. Bien joué. Ce coaching, quand même. Le coaching. On revient. On est sachant pas. Qu'il a pas pris ce personnage. J'étais sûr que j'allais pas avoir le droit à mes allocs. Ouais. Là, les allocs, tu les as eu une fois pour deux. C'était un match quand même. C'était contre les allocs, t'es de droite. C'est vrai que. Alors, juste pour que les gens se rendent compte, dès que tu touches, en fait. Tu tapes un peu comme dans le beurre, et tu peux retaper direct après, même si t'es en l'air, c'est pas grave. Les personnes ne se tournent pas instantanément. C'est horriblissime. Le jeu, il est maléfique. Il manque de finition, mais bon. Il est très maléfique, du coup, il a complètement. Mais dis-toi qu'il est 100 fois mieux que sur 3DO. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah, il y avait des vrais trucs à faire avec Talok. Avec Talok. Mais les toasties sont incroyables du jeu. Hein. C'est assez. Mais c'est dommage qu'on n'a pas le son, le retour du son, mais le jeu a des sons maléfiques. Ouais. Est-ce que Ken, tu as déjà vu ça sur un stream? Est-ce que tu as déjà vu autant de violence à la télévision? Ça c'est violent. Ça, c'est très bon, bah là, c'est une chance sur deux. Hein. Tu vois que ça va se finir sur le même jeu où Biggie est le champion du monde. Hein. Ouais. Slam ou Fight? Fight Fever? La fièvre du combat. Ouais. Fight Fever. Donc c'est par les mêmes gars. Et il était fait après. Tu fais l'autre. Pour te dire la violence. L'autre. Voilà. Et tu choisis Fight Fever. Alors, donc Fight Fever, le jeu est tellement naze qu'il est pourtant sorti vers 96. Hein. C'est genre assez tard dans la Neo Geo. À une époque où il y a déjà eu des KOF, il y a déjà eu des Samurai Spirit, il y a déjà eu des Rebound. C'est vrai. Et le jeu donc est fait par Dicom, par les mecs qui font après Eyes of Typhoon. Et le jeu est tellement bien, c'est un jeu de baston, mais qui n'est jamais sorti. En langue coréenne, bien sûr. Qui n'est jamais. Vas-y, commence, Karate. Oui, je veux pas en jouer ça. Ah oui, toi, t'es un dieu à jeu là. Tiens, regarde. Il regarde les coups. Ah bon. Alors, c'est un jeu des habitués de. Tu as regardé que je regardais pas ce jeu. T'es bien P2. Il y a mon main, hein, j'y peux rien, moi. Ouais, je suis deux. La Aztec encore, tu vois. Bah ouais, tu prends l'Américain. C'est mes persos. Hein. Bah il est en short. Oui, j'ai que les Aztecs. Je sais pas, ils jouent les persos. Je sais pas qui joue. Hein. Là par contre, je sais pas c'est quoi le. Ah, mais le meilleur jeu. Ah, ce grand moment. Monsieur Dunker. Mais il n'y a pas eu de qui tout double. Non, ah oui, c'est vrai. Tant pis, c'est pas grave. Ok, j'ai un coup de double, moi. Ah oui. Allez, t'arrêtes, faut pas qu'on lâche. Monsieur Dunker, vous savez. Monsieur Dunker. Vas-y, c'est pas grave. Et pourquoi vous êtes à égalité des points? Il lui fait le dunk, l'autre il fait rien, il est. Oh là là. Ouais, mais il est gonnerie l'autre aussi. Oh, c'est. Monsieur Dunker. Le jeu que j'aime. Ah oui, cette petite feinte. J'ai un gonnerillon quand même. Il est gonnerie. Le gars, il est américain, il s'appelle Dunker. Monsieur Dunker. Mister Dunker. L'OST est fruité, ça c'est vrai. Mais en même temps, les gens ils parlent de la bêta ouverte du Street 6, mais si t'as le choix entre ça et Street 6, tu joues à quoi? Tu joues à ça. Tu joues à ça. Tous les jours. Avec Monsieur Dunker. C'est bizarre, quand je suis moi, j'ai l'impression que je peux. Tragédie, c'est fruité. L'OST. J'ai l'impression qu'il donne la possibilité d'aller finir les choses. Ouais. Ah, heureusement qu'il a un dunker qui a raté. Oh là là, il ici, ce dunker est intestable. Bien joué, gros pied, expérience. Gros dunker. J'ai voulu aller vers le perso du cœur. T'as eu les boutons de poing et c'est sûr que ça va pas à George Michael. Ouais. Ah j'ai trouvé aucun coup spécial de mon perso. Moi j'ai trouvé un dunker. Je suis dépé, il avait le Tatsumaki. Moi je pense qu'un ninja c'est jamais perdu. Hein. Oh là là. Ouais, bah Shoto. Le Shoto. Normal, c'est normal. C'est normal. Anne Maïdal. Ah, c'est le bloqueur de la transformation. Ah, ça joue tellement. Alors est-ce qu'il a boule vraiment. Anne Bédal. Oh non, mais c'est un jeu qui sert à dire. Sans blague. Ce jeu n'est pas très agréable, mais on peut tout jouer. Non. On peut rien faire. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà stun.
Il a même pas Hadouken quoi. Ah ouais, je me disais bien aussi. Oui, mais il sort pas tous les coups. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est Street Fighter 1 quoi. Ça explique un peu pourquoi Karaté fait des coups dans le vent quand il sait le faire. Hop, oh, ça tombe quoi. Tu sais que j'ai fait boule, il a sorti le tête. Non, moi je suis. Oh là là. Bah ben non, pas ça. Oh là là, on revient fort quand même. Oh là 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 là. Quel travail d'équipe, les gars. This is unbelievable. Et ce jeu, ce perso de génie est très très bien ce jeu. J'ai du mal à saisir tout le potentiel des divins de ce jeu. Ouais. Je sais que ça, quand tu gardes, normalement, t'es censé pouvoir finir. Mais alors. Oh là là, mais tous ces coups spéciaux ratés là que l'on est en train de voir, c'est ça les beaux jeux. Surtout que ça sert à rien de sortir la boule là. Ouais, ce qui rend fou, ouais, c'est ça, tu fais la boule, ça fait pas de dégâts. Alors tu fais un vieux gros pied raté, tu retires moitié de barre. Mais non, c'est du footies. Ils jouent au footies. Et tout fait double touche. Donc. Peu importe que tu t'as. Essaye ma gros pied peut-être. Je faisais le close en fait. Ouais. Enfin, tout fait double touche. En fait, il y a aucune chance de revenir, on fait double touche tout le temps. Merde, je fais un bétonne. Oh là là là, c'est quoi ce jeu? Ah, c'est Whiff Punish, c'est du high level ça. Whiff Punish de Taunt. Chef-d'œuvre. Il est là ce dunker. T'as des fight fever. Il a bien dunké. En tout cas, il y a une meilleure exé que qu'ici. Ouais, c'est clair. On avait du mal là. Non, mais respectez un peu aussi. Oui, on la respecte. On se rapproche, hein. On peut finir à égalité. Mister Dunker, Mister Karaté en même temps. Ah, il reste un jeu, est-ce qu'on joue le dernier jeu? Maintenant, il reste un jeu avant le jeu suprême. C'est ça. Après, donc, oui, parce que ça nous permet peut-être de revenir à 8 partout, ce qui serait pour le sport, serait intéressant. Donc le dernier jeu, c'est Slam Masters 2, et attention, c'est le jeu qui a permis à Biggie, en battant Kiji, qui est pourtant le champion du monde du jeu, de faire gagner son équipe à la Asensia Cup, si tu veux te dire la force de Biggie sur ce jeu. Je vais commencer, il va me laver la gueule. Incroyable. Capcom, je sais absolument, je sais pas quoi faire mon jeu d'ailleurs. Phoenix, ça veut dire que cette version-là, là, elle est... Elle est invincible. Je suis obligé de prendre la gare, non? Le free play. Tu peux prendre la gare. C'est la version du jeu qui est résurrectée. Ah là là, mais ce jeu, j'ai tellement mal avec ce jeu. Avec le casque vert. Start, monsieur. Faut que je vois, je sais plus comment il s'appelle. Le gars avec le casque vert. Non, mais on n'a pas le droit de regarder les coups. Saber. Saber, ouais. Star Saber. Singer ici, mais il n'y avait pas la place. Ah, il y a la gare, c'est mon gars. Je sais pas jouer au jeu, mais il y a la gare dans le jeu. Avec, mais il faut savoir que Slam Masters 2, donc, qui est la suite. Il lui montre les coups. Quoi, il lui montre les coups? Écoute, il te montre les coups. Moi, voilà, je te montre. Non, mais c'est pas grave. Donc, c'est la suite de Slam Master 1, et c'est Arada, le dessinateur de. Tetsuhara. Alors, ah, pardon, Arada. Arada. Merci. Oh putain, j'ai un gars. Monsieur, t'as un gars. Voilà, ça va. Voilà, tu me. Mais c'est quoi le bouton shop? C'est l'autre. Il y a un bouton shop. C'est ce que tu fais, Bigira, sûrement. Ah, bien fait, d'accord. Bien sûr. Et est-ce qu'il faut faire le tomber aussi dans ce jeu ou pas, ou c'est KO, c'est merde? Il y a des déchoppes hein, de tout côté. Tu connais. Oh tu connais. Bah, violence de ça. Que le Laria, il a pas le Laria. Ah oh, oui, ça c'est fort. Il ça. A les coups de Marvel vs Capcom, je préfère. Il est vrai. depuis la pointe des Limotion. Depuis Day One. Je l'enverrai, tu verras. Oh là là là. Hop, oui, hey, magnifique. Ouh, le gros pied entier. Ah, mais puni. Oh, mais j'ai essayé. Mais c'est à moins de. Mais j'ai essayé, bordel. C'est bouton chat. Oui, c'est là. Incroyable. En tout cas, j'essaie de punir. Ce slip est très bien porté. Ouais, mais il est très fort, hein, tu le lances. Oh, d'accord, tu peux. T'es rouge. Tu es rouge. J'avoue qu'il est rouge. Hakai no Agaru. Oh oui. Il connaît pas, il t'a énervé, il sait pas. Refais l'infini de ce gros play là, comme il pilonne, ça gagne. Tu fais. Ah là. J'essaye. Il essaye. Non mais tu times pas. Time-le. Time-le ce gros gros point là. Je sais pas quoi. Voilà. Ça a puni. Et ça a gratté. Hop. Tu refais la même. C'est physique, hein. Oh, wow. Regarde! Ah, c'est la femme de l'autre. Du Cody. Ouais. C'est ça, c'est sa fille. C'est la fille de Hagar, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Cody qui deviendra mère. Ça, voilà, refais. Quand ça gagne, tu refais. Oh là là, mais m'avarie pas! Oh là là! Ça déchauffe tout ce qui se passe. Il y a les combos. Oh là là. C'est tellement placé. Voilà. Ça, par contre, ouais. Mais bordel! Bien sûr. Mais bordel. Ah, ça rage un peu, non? Non, oui. Jamais. Ça rage un peu, ça rage un peu. Jamais. Ça rage un peu. Ah merde, j'aurais dû déchoper. Ah, voilà, tu refais. Oh, ce cross-up! Oui, là, par contre, c'est chaud. Hop, il y a du satin sec dans ce hagard.
Mais bon, mais non, mais non, mais non. T'es pas mort, t'es pas mort, Philippe. Voilà, puni. Oh, magnifique combo. Bien joué. Je suis le nouveau champion du monde. Ouais, t'es le nouveau champion du monde. Il a la garaga. Bravo, c'était juste. Ah oui. C'était juste. Tu l'as figé, là. Ok. Donc là, il faut gagner, sachant qu'il a le meilleur hagard de tous les temps. Alors là, fais-toi plaisir. Hein. Ils sont pas trop stylés, les personnes en page. Apparemment, il y a Saber, il est bien. Wouah, c'est un Jumbo. T'as un Jumbo, je pense. Ah, ils sont tellement trop bien dessinés. Oh, le Rasta, Rasta. Il a un Rasta. Il a un Ortega. Ah, il a un Rasta. Il a un Rasta pareil. Yeah, Jobless. Ah ouais, il est pété. Ou c'est un J-Carn. Il est pété parce qu'il peut appeler ses petits singes, mais je sais pas comment on le fait. Tu pilonnes, hein. Tu pilonnes. Je veux pas jouer, moi. Me fais pas jouer. Oh là 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 là. Ouais, il connaît. Fais... Voilà, ça, ça en tire, hein. S'il veut te mokubiniser au saut, tu peux faire le truc, là, de... Oh, chop, chop, chop. Voilà, voilà, insiste. Rasta, on dirait un des persos voilà, dans... Voilà, ça, c'est craqué, ça. Je dans Captain Commando. Comment tu le fais, mais fais-le. Pilonne bien, voilà. Ok. Pop. Impossible. Ça se règle, mon hagard. On dirait un des boss dans Captain Commando, lui, Rasta. Rasta. Mon hagard. Ouais, ouais, on dirait un Arménien, moi, je dirais. Il a les mêmes poils là dans le dos là. C'est tellement le charisme ça quand t'as les poils dans le dos là. Les femmes aiment ça. Hein. Les femmes, les hommes, tout le monde. Et qui n'aimerait pas. Ça c'est un vrai mec. Ouf, oulala. Oh là là. Ouh là là, attention. Oh là là, il a fait. Hein. Il a fait des trucs. Hein. Il est en train de. Pas refaire, c'est les meilleurs jeux. Ouais, c'est les. Voilà, c'est ça. Fais ton setup. Voilà. Et tu refais. Voilà. Tu refais. Attention. Ouf, bien joué ça. Voilà, mais oui. Chope-le. Oh, ouh là là. Oh, il est fatigué. Chope-le. Vas-y. Ah, voilà. Hop, encore. Oui. Des chopes. J'essaye. Voilà, c'est bon, là t'es bien. J'étais hey, ça gagne. Et c'est fini, le hagard. Le nouveau champion du monde à contester. Il vous a mis la Master 2. Ouais, il vous a mis la Ragra. La hagard. La hagard, la hagara. Le mec qui se fait télécharger. Alors, le jeu spécial, je pense avoir mes chances. Mais on a dû je suis faire fort qu'au jeu où j'ai jamais joué. Voilà, 8-8. Magnifique. Ouah, il est stylé, lui. Attends, laisse-moi parler un petit peu. Mais alors, c'est la remontada qu'on a fait, là. Bah, ouais. Magnifique, magnifique. Magnifique remontada. Cela dit, je dois quand même m'exprimer. Hein ouais. Tu dois quoi? Je dois quand même m'exprimer. Ouais. Explique-toi. Cette remontada. Oui. Non, j'ai rien à dire. Oui. Ah, son jeu. Ça prend pas de risque. Oui, non, c'est dur. Ton jeu. Alors, ce dernier jeu est bien, blague à part. Les autres, on rigolait, mais celui-là est bien. Mais ça, c'est un bon jeu. C'est un Master 2, non, c'est un vrai jeu. C'est un très bon jeu. Il y a beaucoup d'infini. D'ailleurs, c'est ce qui nous a coûté la dernière fois, c'est que. Kiji essayait de faire l'infini. Ouais, il essayait de faire l'infini et il l'a fait un peu, mais tu te sors de quelques frames face à quelqu'un. Qui bourre la chope. Qui pilonne judicieusement en OS, ça ne pardonne pas. Surtout que j'ai remarqué que le jeu fait plus de dégâts en chope. Oui, sauf que moi, ce que je voulais faire, en fait, je voulais prendre Gunlock et il a un projectile. Ah ouais. Et il reste loin et on s'en fout, en fait, de ce que tu fais. Et tu fuis le... Tu peux zoner le gars, en fait. Même avec l'autre, là, l'espèce de sorcier bizarre, là. Lui aussi, il a des et coups... Alors, Biggie, tu dois mettre ton jeu. Hein, je dois mettre mon jeu. Donc c'est quoi? Alors, d'abord, pas nous. Mets-le et tu vas nous expliquer ce que tu mets. C'est quoi? On va mettre mets-le. Street Fighter. Ah là, j'ai peur. Alors, il faut que j'explique. Attends, avant, j'explique. C'est le jeu choisi de l'invité. Il l'a choisi. Ouais. Et ce jeu, alors là on est à égalité donc ça changera pas grand chose. De toute façon, celui qui gagne, il gagne. Il vaut 5 points, mais de toute façon, celui qui gagne, il gagne. Là on est à 8 partout donc. C'est quoi le jeu que t'as pris? Street Fighter 2 Champion Edition Golden. Super Golden. Qu'est-ce que. Super Golden. Super Golden. What? Super Golden. C'est le jeu du Guac Infini. C'est Pegasus et Jupiter qui ont fait le jeu. Donc il faut quand même leur rendre hommage. On va regarder, donc. C'est Super Golden. Donc Dragon, s'il te plaît. Donc Dragon, Ken, s'il te plaît. Ken. Ouais, et Hadouken et Dragon, s'il te plaît. D'accord, ok. Bah écoute. Allez-y. Moi je suis. Ouais, j'y vais en premier, je sais pas jouer. Moi je suis. J'aurais bien pris ma revanche contre Biggie. Je suis les conseils du coach. Bah je vais jamais tuer Ken. Je ne sais pas ce qui va se passer, moi. Tu Ken et tu auras droit à débloquer. Vas-y, tu fais le métier de Ken. Le dragon, c'est un je connais. On va voir. C'est assez violent. C'est pas mal comme jeu, c'est pas mal.
Tatsu dans les airs, peut-être pour barrer, non, ça marche. On dirait qu'il n'y a pas le Tatsu en l'air. Non, petit dragon. Ah, voilà, merci. Voilà. Et là, tu vois la Tatsu, pour que les méduses continuent d'avancer. Voilà. Et redragon. Oui, bien. Oh, le doux. Voilà. Oh, on va le tuer. Oh, magnifique. Oh, 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 c'est combo. C'est combo. Magnifique. Je suis chaud, là. C'est un jeu plaisir, ça. Oh là là, mais ça, golden, c'est un jeu hein, plaisir. Golden, hein. Petit, merci. Voilà. Et c'est moi qui ai marqué. Voilà, qui comprenne un peu quand même. Voilà. Et c'est peut-être parfait. Le dragon, peut-être. Je ne sais pas. Mais non. Oh là là. Oh là là, attention. Justice partout. C'est bon. Bien joué. Son dragon est meilleur que le mien. Il a un dragon. Il a un meilleur dragon que le mien. Le dragon est invincible, il va vers l'avant, c'est fort. Hein. C'est un peu donc un jeu équilibré. Bien, ouais. Oui, totalement. Punaise, mais j'ai perdu. Oh, non. Ah, finalement il prend Ryu. Finalement il prend Ryu. Comme cet insecte, sa Sharingan. Ce Ryu a pris le soleil. Ah, oh. Mais pourquoi je suis stun? Dragon. Bah attends, je veux bien, mais. Merci. Bah, dragon, c'est facile à dire, hein, ouais. Dragon de l'autre côté. Oh là là, mon dragon! 100%, tu l'as mis 100%. C'est ce qu'il mérite. C'est un 100%. Hein. C'est attention, belle dommage, t'as vu, hein, il a un dragon. En fait, comme il joue moins bien, il joue tout le temps après et il gagne. Voilà. Là, tu. Là, c'est impossible d'éviter ça. Super signe. Shot dragon, bien sûr. On met le setup. Bien joué, mais il va prendre. Voilà, merci. C'est la base. Hop, et dragon. Et dragon, t'es mort. Et t'es mort. Et t'attends. Tu oh là là, c'est incroyable. Bravo. Hop. Et bah écoute, merci bravo. Biggie pour cet excellent jeu. C'est quoi déjà la version là? Golden Super. Oh, voilà. Golden Super. Et bien, je propose qu'à l'Extra Life, on retire Rainbow Edition. Et on j'ai pris ma revanche, je suis le nouveau champion du monde. Magnifique. De plein de jeux, du coup, à la fin. Judicieux choix, exactement. Quoi? Un choix judicieux. Il faut le dire. Tiens, mais vas-y, teste un peu, fais-toi plaisir. Je teste un peu, tu crois. Arrière avant. Ouais. Le gain. Je sais pas qui je suis. Ah, je suis Honda. Non, mais laisse-moi tuer pour prendre ton perso. Je sais même pas, j'étais où? J'étais où? Je veux qu'on revisite. Alors, victoire de la team karaté à SNK. Après avoir été dominé, une magnifique remontée quand même. Mais on va quand même juste montrer avant de se quitter quand même quelques jeux. Parce que c'était quand même magnifique. J'ai envie qu'on revoie un petit peu plus de technologie sur ce jeu quand même. Il n'y a pas de coups en fait. Il n'y a pas de coups en bas. Si. Les mains elles balancent des murs des boules. Donc là c'est terminé. On a gagné, on joue pour le plaisir. On vous remontre un peu de gameplay pour le plaisir. Franchement, bien joué. Oh, elle est stylée la couleur. Et d'horizon, t'as gagné, tu te rends. La couleur verte boîte là. Et en plus, c'est moi qui ai gagné, j'ai pas juste. Et c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as gagné. Tu as porté ton équipe sur 13 ans. Putain, c'est cher. C'est magnifique quand même. C'est cher. Merci Biggie d'avoir choisi ce jeu. Je t'en prie. Je t'ai battu à ton jeu, mais là, celui-là, tu m'as battu à mon jeu. Je me vengerai à mon jeu. Non, tu t'es vengé, c'est très bien. Bravo, tu m'as laissé aucune chance. Je voulais pas qu'on finisse ce stage relou là. C'est pas le bon cas. Waouh, il fait des pétous. Incroyable. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme là, mais. Est-ce que tu vois d'autres termes? Ah, c'est autre terme pour exprimer ce que tu viens de voir. Bah, il fait du feu, quoi. Moi, je ne vois pas. Incroyable, très bon jeu. Très bon jeu, très, très beau choix. Choix judicieux. Comme il a été dit. Allez, là, c'est pour le plaisir, c'est du free play, juste pour vous faire un peu déguster. Là, je suis dans le plaisir, ces jeux qu'on a vu. Là, je ne peux pas être plus dans le plaisir. Hein. Avec Blanca, je pense qu'il... Voilà. Voilà, je pense qu'on peut pas être plus dans le plaisir que moi, là, actuellement. C'est quoi ce game? Ça va être difficile d'être plus dans le plaisir, là. Là, on prend, hein, on prend du plaisir. Tiens, mais il envoie des sonic boules même quand il veut pas. Oui, il n'y a pas de charge, hein. Ouais, c'est Blockstone, hein. Tu m'as rendu compte qu'il n'y avait pas de charge, ouais. C'était un plaisir. Tu m'as rendu compte qu'il n'y avait pas de charge, globalement. Venge-toi, tonton, fais quelque chose. Bah, y'a rien à faire avec Blockstone. Là, prends Gail. Prends Gail. Prends ton Gail. Tu es avec ton Gail. Oh là là.
Attends, non. Ton guy. Je voulais essayer qui. Ton guy. Mais non. Non, tu peux faire le Laria avec Zangief quand il fait Laria, lourd de boule. Ah. Quoi? Oui. Mais Dacine, il va faire quoi? Je ne sais pas. Mais il va te broyer. Regarde, il est stun, il sait. Si je fais. Oh, tu m'as dit le moins de Sonic Boom. Bah, si je fais le moins de Flash Kick, la commande Sonic Boom s'annule et devient une pointe. Regarde, il est zéro. Qu'est-ce que tu fais ton Dalsim là? Bah, j'essaye. Je te jure, si je fais le moindre flash kick, la commande Sonic Boom devient un flash kick. Ah ouais. Je ne peux plus utiliser le Sonic Boom après, donc c'est un mind game. Ah, c'est une race, quoi. C'est imbloquable, il y a des... Faut connaître. Qui sont imbloquables. Faut connaître, je pense qu'il faut connaître. Je veux vraiment essayer de connaître. Et tu connais. L'épée qui prend guide. Connais Mushi Mesama. Mushi Mesama. Te laisse pas maltraiter. C'est un cave, totalement un cave le jeu. Franchement, le jeu est très propre. Hein. C'est mais l'écriture. C'est pas l'écriture. C'est. Y'a pas d'argent. C'est vrai que Rainbow à côté est plutôt équilibré. Oui, très équilibré. Ça gâte aux marques, ça se trouve. Chun-Li ? Bah écoute. Un capri Chun-Li. Échangeur d'avion sur Star. 1000 pieds. Ah oui. Vas-y, tu le laisses pas vivre. Le laisse pas vivre. Le laisse pas vivre. Donc là ils ont changé de perso, voilà le gars de karaté quand même. Meilleur que la Chun-Li de Ken Bogard. Ah oui, fait spinning jerk kick. Non mais ça sert à rien. Si tu vas voir. C'est insane ça. Ça ne passe pas. Non ça sert. Franchement, le seul espoir c'est de prendre gang. Parce que là il n'y a aucun coup de gang. J'aimerais bien que j'aille sur ça. Les dragons ils passent, les dragons ils passent. J'arrive mais la boule fait rien. Comment j'arrive de spinning. Ah ouais, des fois ça fait flash kick avec les points. Et là, elle a pas le pipoquet. Parce qu'il a dit une fois que t'as fait un flash kick, après tu peux faire que des flash kicks. T'as vu, c'est ça. Ah, une fois ouais. que t'as fait un flash kick. Allez, le vrai combat final, Gal versus Gal. Le vrai combat final. Est-ce qu'elle au rewind? Et après, on va juste faire une petite partie du mix. Parce que le mix est un peu plus équilibré. Le mix est plus équilibré. Bah, le mix, on fait une partie pour montrer aux gens. Et on finira sur le jeu le plus important de ce soir. Oh là là. Ah, mais c'est mieux. Bah voilà, c'est bien. Bonus game. C'est bien, bonus game. C'est le rouge. On finira sur le vrai jeu. Le jeu avec cet insecte. Mais casse tes tonneaux, moi là. Mais non, mais tu sais, des fois, pour savoir où tu tapes, c'est pas évident dans ce mode-là. Non, mais j'ai fait un Sonic Boom, c'est fini. J'ai plus le droit de faire de Sonic Boom. Ça va rien dire. Faire Flash Kick, j'ai plus le droit de faire de Flash Kick. Le jeu doit rien dire, ou alors faut reset. Non mais c'est quoi cette histoire? J'ai pas bien compris. Je te jure, tu fais un flash kick et ensuite après t'as plus. Allez, le vrai combat. Ah, là c'est fini. Voilà, hop. Voilà, Ah, il est en or. Ça se joue à celui qui arrive à lancer le Sonic Boom durant le fight. Voilà. C'est fini. Et c'est perdu. Bah voilà, dès que tu prends le perso, il gagne, n'empêche. Hein. Il y en a qui sont lourds, les attaques, hein, c'est très fort. Petite dernière. Dans la garde. C'est un jeu magnifique. Ouais, voilà. Hein, c'est... Eh bien, le vainqueur. On a dit les vrais choses. Le vainqueur ultime en Gaël Gaël. Il y a même un petit mix pour montrer un petit peu aux gens ce jeu qui est. C'est Kirby Samouraï un peu. C'est un peu ça. C'est l'ancêtre. C'est vrai, c'est Kirby Samouraï hein, finalement. Hein. Et il y a un Street Fighter 2 mix. Oui, on l'a mis. C'est juste pour faire une petite partie, montrer aux gens avant de se quitter. Un vrai Street, donc je rappelle. Il faut avoir la PCB d'origine et vous pouvez apporter en fait ce patch, reprogrammer les EPROM de la PCB d'origine pour ce jeu. Ce jeu qui est par ailleurs absolument magnifique. Oui, tout à fait. Très beau jeu. Tiens, Ken. Merci. Je laisse totalement aiguille. J'avais un guide, mais j'aimerais bien tester d'autres choses parce que c'est assez divin. Boxer. Je vais voir si Boxer il a de quoi taper. Allez, on se dédicace à Bazooka. C'est pour le plaisir. Oh, il démarre, t'as vu comment il démarre collé? Ouais. C'est aléatoire le démarrage. Et des fois, tu es pas du sens où t'es un P. Abdel aussi qui a un banrock de. Un sûr. Boxer de Doudou. Le frère de Bazooka. Qui a gagné le. C'est vraiment dash. Qui a gagné le HFS après. Ah ouais? Non, il a perdu en finale. Oui, mais il a gagné avec son équipe. Ah, en team? Oui, je suis pas en team. Mais... Et non, il a gagné Breakers aussi. Ouais, après. C'est Breakers. Ouais, bah de toute façon, Abdel. Il fait une grande finale à tous les jeux où il joue. Quoi. Hey! Tout ça ne tue pas.
Oh la course, c'est tellement stylé. Il dit Boxer, il a son headbutt qui peut finir en overhead. Non, mais je suis désolé, je ne comprends pas. Il a un headbutt qui m'expliquait. Ah oui, d'accord, faut aller vers l'avant. Ah, il y a les backdash, hein. Ouais, il y a les backdash. Et en tout cas, sans dash low, Boxer, c'est plus de la règle. Oh, il est stylé le jeu. Oh, la roulade. La roulade, de l'espoir. Ils sont partis chercher les animes, mais ils sont stylés. C'est eux qui les ont. Ah ouais. D'accord, fais ce que vous. Hey. Le fameux. Ah. Attention, il y a phase devant derrière. Il attendait le dragon. On remet le setup. Cette fois-ci, on tape. T'as la roulade, hein. Comment il a pu faire ça? Oh là là. Comment il a pu choper après, là, tu fais après son whiff dragon? Oh, saut gros pied, t'as dessus. Oui, il l'a fait. Comme ça, perfect guard. Il a perfect guard. En fait, c'est elle arrive toute seule, la perfect guard. Vraiment, c'est particulier, j'ai beau la garde. Mais ouais, ça fait perfect guard, très bien. Et là, le grillage est parti. C'est pas mieux, hein. C'est plus clair. Oh, oui, c'est le grillage de là. Il y a des mecs qui regardent le match derrière un mur. Dans le décor, oui. Ouais, oh, oh là là, il time mal. Ça rend fou, ça. Oh, magnifique. Oh. Ah bah là, il a varié, grande erreur. Hey. Par contre, il n'a pas, il n'a pas d'attaque. Hey. Et ça tue au prochain. Magnifique. Magnifique. Vas-y, non, ça, vas-y, prends-lui ton huile. Ah non, non, mais je vais passer à lui. Non, non, vas-y, laisse-le. Il veut tuer toi, t'as pas compris, il veut tuer toi. Il a quelque chose. Mix, mix. Je vais essayer des persos, Je peux essayer Blanquette, sinon. Ah. Il garde le perso. Je l'ai, il va me tuer. Bah non, mais. Il a un massif Shuken. Est-ce qu'il a autre chose que le psycho crachat? Il crush, hein. Le crush garde. Ah, quand même. Ah là là, ça pilonne bien. Bien sûr. Perfect garde, on te dit. Ah, la course est tellement stylée. Le Ken là, c'est complètement là. Hey. Et en fait, ouais, là j'ai du mal à saisir le potentiel de Dicta, mais. Il est juste un peu plus. Ah, il dit Dicta, il a la air torche. Ça consomme de la jauge. Ah oui, d'accord. Donc tu peux faire la torche dans les airs. Ça, j'avoue. Ça doit servir à quelque chose. Ouais, j'avoue, ça consomme de la jauge. Ah. Mais il a pas le scissor clou. Mais vas-y, ah, mais ça fait. Par contre, ça, c'est dégueulasse que ça casse. Cette torche, c'est toujours pour l'aide bien. Oh, il a l'air là sur Twitter. Oh. Il instaure la dictature. Hein. La dictature nord-coréenne. Ça fait un mal. Ah oui! Oh non, perfect garde. Hein. Oh, oui. Oh, mais ces antillères d'antillers. Mais non! Mais non! Ah ouais, le front derrière. Hop, ce save dans le vent. Je knie presse. Oh, oh, oh ouais. On le chope à la coffe. Mais, mais j'étais à 30 bornes. Ouais, je sais pas. J'ai voulu faire une super et ça s'est fait relever chop. Toutes mes excuses. Le bon mal à coffe. Toutes mes excuses. Je sais pas ce qui s'est passé. Incroyable. Comment allez-vous les looters? Bah on va très bien. La soirée est finie, on a gagné là. On finit juste sur. Après ce match, on finira pour terminer pour vous remontrer le premier jeu qu'on a fait ce soir pour ceux qui sont arrivés un peu tard. Qui était vraiment le meilleur jeu de la soirée. Kekoud, le qui est là, qui dit c'était de la chatte. Pas du tout, puisque j'ai gagné juste après sur son jeu à notre cher ami. Ouais, j'ai gagné tout à la fin. C'est vrai. Oui. La chatte. C'est quoi ce jeu? Bah, c'est la meilleure version de Street. C'est Street Fighter 2 Mix. Ouais. Oh, ça fait pas mal par contre. Hein. Les dégâts, il est royal. Les dégâts vous fait très mal là. Ouais. Au fait, c'est Breakers qui rencontre Street Fighter 2, ce jeu. Quoi? C'est quasiment impossible de lui faire des dégâts. Revanche, ça s'est fait. Ah, oui, tout à fait. Karaté. Oui, tout à fait, c'est cool.
mais je pense pas que Karaté te reprendra dans son équipe l'année prochaine pour construire Karaté. Kekun, ce qu'il mérite. C'est vrai que Kekun, on a eu un jeu de sport. Et il a foiré. Et il a foiré le jeu de sport. Oui. C'est quand même grave. À la base, on l'avait pris pour ça, Kekun, hein, je crois. Oui. Moi, de toute façon, j'ai taqui le prince des jeux de sport. Donc, il a été nul à cette époque. Mais n'importe quel truc avec ton blocage, tu joues pareil. C'est quoi ce qui a changé? Tu fais les mêmes trucs. Ouais, c'est ça. Bah, il a son style, sa boule qui charge. T'as des quests, là, là, Blanca, il est bien. Tu vois, ouais. la boule, j'ai beau taper dedans, à chaque fois, il me détruit. Hein. C'est. Waouh, regarde cette pause. Et quand il retombe. Quand il retombe de son de sa rolling. Il peut électrifier que des parties de son corps. Je vous propose de terminer cette soirée. On a quasiment fini cet épisode. Sur un petit combat de suprême. Cet insecte. Quand même le meilleur jeu qu'on a pu voir ce soir. Il est passé en premier. Oui, il y a des gens qui l'ont pas vu. Mais cet insecte, Biggie, parce que. Bien sûr. Il faut vraiment qu'on finisse corps, là-dessus. Je vous propose. Cherche un. Supérieur Soldier en bas. Un comité battle contre Karaté parce que c'est le champion, donc prends ton cet insecte et il faut que nous on essaye de le tuer. Moi je suis champion en tournoi. Comme après, Biggie, toi t'es après le plus fort. On commence par Ken, je jouerai après, Biggie terminera. Et okay, on finit la soirée là-dessus. On vous rappelle que ce jeu donc est le nouveau jeu à la mode, comme à l'époque ça pouvait être Breaker's Revenge. Ouais. C'est le jeu auquel maintenant il va y avoir tous les bien tournois. Sûr. On va tous se tuer dessus. Au Japon, j'ai entendu dire qu'ils allaient le mettre à Mikado. Au Japon, il sera à Mikado. Il faut y être maintenant. Voilà. Donc Karaté qui va prendre. Karaté qui a déjà des technologies hein, quelque part. Hein. Ouais. Ah, j'ai un peu inventé la méta. Pris Star Saber. Ouais, j'ai pris Star Alors, Saber. Je vais essayer de. Ken qui joue le. Saber, Ken qui joue le. Il a un Tatsu. Qui joue le Choto. Hein. Ouais, je vais essayer de pas très. Bonne chance, c'est tout ce que je te dis. Avec le Sat Insect. Regarde les dégâts. Regarde le trade, comment t'es perdant. Ah, il y a un dragon, ouais, après il a un Choto, Ken. Non, mais le pire, c'est qu'il a le trade. Ah, c'est bon, avec Ken, il a un Choto. Hein. Ouais. Mais attention, on s'attinsecte. Le Tatsu, il a un casse-garde et. Oh là là, il va tuer le champion du jeu tout de suite. C'est nous qui allons battre Ken. Star Saveur. Le Star Saveur. Alors, Karaté n'a pas dit son dernier mot, c'est maintenant qu'il va rager, tu vois. Mais non. Il s'appelle. Supérieur Soldier Kazuyu. Le satin insecte. Oh le regarde, ça veut rien dire. Tu vois, le boss, tu vois, Xavier Fidi, de mémoire, le boss de Supérieur Soldier fait le tir laser de R-Type. Ah d'accord. Oui, parce que c'est dans le lore de R-Type le jeu. Ah là, mais ça dash l'eau. Invincible. C'est dur de gérer. C'est ce chef-d'œuvre. Comment vous pouvez penser à d'autres jeux de baston après avoir vu un truc pareil? Oh là là, oh le Sat Insect. Oh le Sat, regarde ça, ça fait rien dire. Le casse-garde de l'autre bout de l'écran. Oh là là, il vient de finir des sauts. Hein. Oh là là. Truc de malade. Allez, à moi. Là, j'étais à deux doigts. Hein. Tu vas te faire insecter. Moi, je vais me faire défoncer. Ouais. Des insectes. Non, franchement, j'étais à deux doigts, mais. Non, ils sont reptiliens. Il y a un DLC pour l'équilibrage. Mon reptilien. Non, le reptilien, il est complètement là. Attends. T'as pris ton reptilien? Oh! Ah, il a la force vermifuge. Non, mais ça, c'est ouf, ça. Et tous les persos sont très mal. Ouais, bien sûr. Ah, il peut taper en dessous. Oh là, mais regarde, il m'a fait jusqu'à ce garde, je suis stun. Casse-garde stun, ouais. Et là, il mettait un combo, t'étais mort, ouais. Oh non, j'ai fait la flamme de l'enfer. C'est la mort du Dashlo. Oh oui. Oh, mais tout ça passe. Tu sais, il est chaud, le reptilien. Pas si facile à faire. Bah ouais, vous croyez, c'est dur, hein. Matchup USA versus Vatican. Un peu ça. Hop là! Ah, c'est le post-up qu'on en parle. Il fait tellement mal, Reptile. Ouah, le balayette! Oh, ça, c'est imbloquable. J'ai jamais su bloquer ça. Ah ouais, bien joué. Sérieux, frère. C'est reproduit. Non, mais c'est vraiment sa soirée à Dorizon là. Non, mais à chaque fois qu'il dit je vais perdre, il gagne. Il m'énerve. C'est un mind. Il est chiant. Comme ça. Il est chiant. C'est comme ça. Il arrivera jamais à gagner. Sans dire je vais perdre avant. Franchement, c'est chaud. C'est abusé. Hein. Punaise. C'est l'option 7. Ouais, à chaque fois, fini et véritable. On peut plus, quoi, de son reptilien, là. Bah oui, le reptilien, il est fort. Hein, ah oui. Vous voyez, là.
Ils sont totalement les mecs de karaté. On est témoins là. Mais les dégâts veulent rien dire. Et surtout la hypox du karaté. Je suis plus fort en tournoi quand. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand je suis play, là, je suis plus fort en tournoi quand je suis play. Bah ouais, il peut faire les blesses. Bah elle comme Mago. Quand je suis play, bah c'est l'inverse du coup, Mago. Ouais, non, toi, t'es plus fort en tournoi quand tu es play, Mago, il est plus fort en tournoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, genre, c'est pour ça que ça veut pas rien dire. Ça veut pas rien dire parce que c'est l'inverse de ce que t'as dit. Mais non, mais si l'un est vrai, l'autre aussi. Mais je peux pas. C'est vrai. Voilà. Mais ça, je te jure, t'essaies de taper à chaque fois. Dès que tu bouges ta hitbox, tu prends la. Ouais, il est. Moi, je dis à match, hein, c'est 5-5, hein. Ça, ce versus là, faut pas croire. Je crois que c'est 5-5, ouais. Ouais, ça se voit, hein. C'est pas comme ça, hein. En tout cas, ce rêve, finalement. Mais au dash attack, là, ça fait plus. Mais ça, vous pouvez pas me faire croire que ça, c'est. Voilà. Non, c'est pas safe. Dash attack, voilà, faut faire ça. Cancel reptilien. Je peux plus faire la dash saut, là. Ça marche plus bien, celle-là. Là, c'est juste que. Parce que tu dash pas. Fais son feu. Mais ça, elle est bonne, je sais. Mais des fois, moi, je fais la torche en Tiger Knee et ça me baisse. C'est pour ça que j'ai perdu. Là, tu fais moyen. Non, tu fais stand moyen point. Ça punit. Avant qu'il retombe. Voilà, ça, c'est pas mal. Ah, oh, voilà, reptilien vainqueur. Ouais, bravo. Hein. Franchement, Asenka qui est très fort dans le jeu. Ouais, c'est ouf. Dès qu'il dit qu'il perd, il gagne. Alors là, je vais gagner, donc tu vas me tuer. Bah non, mais. Non, c'est pas sûr ça. Je vais gagner. Non, le dernier match de la soirée. De dire, on joue et on parle après. D'accord. C'est possible d'accord. Ça ou pas? Non. Tu peux le faire. Est-ce que tu es. Non, je sais pas. On peut parler d'autre chose. Moi, j'ai entendu dire qu'il allait perdre. Et voilà, il a perdu. Oh, il t'a stun en 2 secondes. Oh. Le gros point, oh, ça y est, il a un 2 combo réputé. Oh là, ça y est, le nouveau champion. Le nouveau champion du monde. Casse de là. T'es insupportable d'horizon. Je lâche mon casque, je me barre. Exactement. On est là entre potes, on joue. Et là, t'es là, j'ai pas joué. Ouais. Insupportable. Oh là là. Oh là là. Mais t'as dit que son cou, il est pété. Frère, il touche devant et 2 fois derrière. Qu'est-ce que tu racontes? On dit n'importe quoi, ce reptilien, il rend fou. Et regarde, il a gagné. Vas-y. Éteins tout. Éteins tout, on se casse. T'as vu? Je t'ai dit, c'est insupportable. C'est insupportable. Je t'ai dit. J'ai le droit de gagner ou quoi? Ah non, bah, c'est incroyable, il a un reptilien. T'as le droit de gagner, mais t'as pas le droit de dire, je sais pas jouer au jeu et mon perso ouais, c'est de la merde. Ouais, c'est chaud. Voilà, c'est machin, chaud, c'est chaud. T'as pas le droit de dire je vais ça. J'ai joué 2 minutes au jeu, il a joué toute la nuit au HFS. Mais c'est un jeu qui c'est facile à prendre en main. Il y a pas 20 000 techniques, il me dit ça. C'est Dashku. On dirait que je fais des trucs just frame. Bah oui. À la frame. Moi je dirais reptilien, boss du jeu. Ouais, boss du jeu. Bon, bah. Voilà, merci. Nouveau début de saison, en tout cas de Rage Quit. Champion du free play. Voilà. T'as vu les soft bans du Japon, hein, reptilien d'après. Ah, voilà. Et les gens, ils savent. Hein. Donc, voilà. Mais tu savais, toi aussi, je pense. Ah, mais en fait, depuis le HFS, je regarde les vidéos en boucle des tournois au Japon. Il y a des techniques. Il y en a plein, en plus. Ah, oui, tous les jours. Ouais, tous les jours. Il fait le ninja copy. La pilonance. Et tu sais qu'il y a une secte de Satan secte au Japon. Des croyances Satan secte. Ça il y a le culte de Satan secte. J'ai dû en croiser. T'as les mecs qui se baladent dans la rue, tu y plonges comme ça. Moi, j'en ai croisé un au Shinjuku Gyoen. Ouais, c'est ça. Il essayait de me vendre son jeu. Ah non, à Yoyogi, dans le parc. Il y a des athées qui marchent. Et il y a un gars, c'est Satan secte, et il sort du bois, tu vois. Il a acheté le costume à Rajuku. Ah, il est trop stylé. Reptilien, il est stylé. Hein. Regarde la tête de reptilien. Quand tu perds. Bon, les amis, c'est pas. Ah, il y a les coups. Non, mais il a un coup chargé, je savais même pas. J'ai 40 000 de vélo pour rentrer, hein, les gars. Ah, mince. alors, le mot de la fin, Biggie, c'était toi l'invité. Bah, écoutez, parle de ta chaîne, parle de toi. Oh, ma chaîne, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Si, il y a plein de choses à dire sur ta chaîne. Je fais des lives et puis des vidéos thématiques. Il y a une vidéo qui sort avec Conquerax, qui sortira samedi avec Conquerax et DGGX sur 10 indispensables sur GameCube. Conquerax qui est un grand fan de la GameCube, donc ça sort samedi. Et puis voilà, il y a des lives thématiques assez souvent. On a fait le live IRM avec Joël qui a les PCB à... Joël Haro qui a toutes les PCB IRM à portée de main justement, qui est lui notre gage pour ce jeu.
notre ami Joël. Je fais des lives thématiques. Voilà, on a fait SNK ensemble avec ASNK. La partie 1, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse la partie 2 un jour. Sur l'histoire de SNK avec notre ami... avec notre ami Gunette qui était là aussi. Donc voilà, je fais des lives et des vidéos sur du rétro gaming, sur des jeux aussi, on va dire, récents. Je dois faire une vidéo sur mes retours sur Zelda The Tears of the Kingdom avec l'ami Dirty Tommy, peut-être. Un jeu plaisant, un jeu très plaisant. Très plaisant, moi, que j'ai très beaucoup sympa apprécié. À jouer. Mais moins bien que Supreme Fighter. Excellent jeu. Si vous voulez passer un bon moment, je conseille. Hein. C'est vraiment... C'est mieux qu'Elden Ring. Ah oui, c'est mieux. Ouais. Bah, c'est largement mieux, là. Et puis voilà, mais content d'être venu cette fois-ci pour cette saison 3. Merci de m'avoir invité à SNK et puis le co-host Karaté et Ken Bogard. J'étais c'est très content de participer avec vous à cette édition spéciale Mister, d'ailleurs. Merci. Ken, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, eh bien écoutez, j'ai découvert des divinités aujourd'hui que je ne pensais pas exister. Mon champ des possibles s'est étendu. S'est étendu, exactement. Ouais. Et voir repartir d'un live en apprenant des choses, c'est pour moi les meilleurs lives. Voilà, exactement. C'est beau ce que tu dis. Karaté, ton mot de la fin. Ouais, je fais des vidéos sur internet, alors. Par contre, j'ai pas internet en ce moment, donc je stream avec la 4G en 720p 30 fps quand ça veut bien, et ça me limite dans les très possibilités. Ouais, c'est le ghetto, donc je tiens à m'excuser auprès de la commu. Mais un jour j'aurai la fibre à nouveau. Et c'est quoi, il y a une panne, c'est ça? C'est Free. Orange qui sabote Free. Orange qui sabote Free. Voilà, c'est Orange qui sabote Free. C'est pour ça que je suis passé chez Orange pour plus avoir de problème. Exactement. Ouais, mais Free c'est quand même mieux. Oui. C'est moins cher. Moi je tiens à dire. Pardon. Et bravo à vous pour votre victoire. Hein. Oh, c'est gentil ça. Ouais, merci pour toutes les règles. J'ai fait que maintenant on pouvait rager, hein, c'est fini. Hein. On n'est pas des rageux. On n'est pas des rageux. Pas de rage, pas de rage. Merci. Merci. Merci à Victrix de nous avoir permis de jouer sur ces magnifiques sticks et d'offrir les balles à la commu. On se donne rendez-vous. Alors, jeudi prochain, on va recevoir le créateur de Shoot Fighter avec son jeu. Et on va jouer à Shoot Fighter. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Okay, let's go. Très bien, très bien, très bon jeu d'ailleurs. Et on jouera à une autre sélection. Du coup, on jouera sur PC à une sélection de jeux de combat, notamment sur PC, une sélection qui sera faite par Monsieur Karaté. Ah ouais, avec Shaolin versus Wu-Tang. Ah, il faut. Franchement, celui-là, c'est le moins bien. Ah ouais, il y a des trucs tellement mieux, les gars, vous savez pas. Des saveurs. God of. Fight of God. Non, ça c'est petit. Animal of Fight, déjà. Animal of Fight, bien sûr. Donc, ça sera la semaine prochaine. On a hâte de voir ça. Let's go. On vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Merci à Noul Black, Fanou qui était là, les leaders qui ont tout nos merci modos. Christophe PDP. Merci aussi aux communautés. Merci la France. De Monsieur Karaté, de Ken Bogard, évidemment les gens, les grands fans de Biggie, un champion de la SNK Cup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Damien qui était là aussi. Et merci à PDP. Alors, aussi. By the way, je ne sais pas si vous avez suivi. By the way, allez, dans la gueule. Juste un truc. Mais non. By the way. Mais non, il y a le Red Bull Comité revient. Ah oui, c'est vrai. Au mois de juillet, on repart. En Afrique du Sud. Hein. Afrique du Sud, un mois après la sortie de Street Fighter 6. Une très belle date. Il y aura d'autres choses le même week-end. Bah, il y aura le tournoi Mios, mais bon, c'est pas un concurrent, c'est en Afrique du Sud. Ouais. Faut être motivé pour aller en Afrique du Sud. Quand d'accord, même, et on a déjà annoncé Tokido. Pour faire le Last Chance. Justin Wong, Maynard. Ah. Menardi et Jab Im, qui est le champion sud-africain. Ouais, bien sûr. Et on n'a pas de champion français. Très bon gars. Bah attends, il y aura Crimson. Attends, genre, il n'y a pas Crimson. Bah, de base, c'est pas une surprise, Crimson, puisqu'il est détenteur du titre. Oui, voilà, donc oui, déjà, il y a Crimson, bien sûr. Voilà. Et les règles sont pas annoncées. Ah bah si, tu vas sur le site Star Wars, il y a déjà les règles. Donc on sait comment ça va se passer. Alors oui, les règles du comité cette année. Tu vas voir les règles ou pas? Bien sûr. Tu vas voir qu'après en 2015, on est le premier à faire un comité avec un lachette. Après, tout le monde a copié, tout le monde. Et maintenant, cette année, j'annonce les règles. Écoute bien. Alors après, il y a eu Vegas et Londres, tu sais, où on faisait du round robin avant le double élim. Bizarrement, la Capcom Cup, ils ont fait pareil. Écoute les nouvelles règles cette année. Simple élimination, on revient aux vraies bases du Tougekiss. Bon, mais
Mais... Full FT5. Voilà, faut pas déconner quand même. Ouais. Full FT5. Ouais, c'est bien. Mais FT5, c'est bien. De A à Z. Voilà, mais bien. Simple et libre, c'est le tournoi des dieux, tu perds, tu sors. C'est bien. Il n'y a aucune embrouille. Adaptation non, FT5, en même temps, t'es censé gagner si t'es meilleur. Bah ouais, bah c'est le format, Roland Garros. Voilà, y a pas de loser bracket. Ouais, c'est tout, Roland Garros, tu gagnes Roland Garros, t'es fort, c'est tout. Bah, de toute façon, on peut, je dirais... Allez pas me dire qu'à Roland Garros, y'a pas de match. Au moins, les règles sont faciles à comprendre. Mais y'a la chaîne sur place. Au moins, les règles sont faciles à comprendre. Oui, y'a la chaîne. Y'a le gars qui est motivé, qui va aller voir la chaîne du Sud, tout à fait. Il peut y aller prendre son... Alors, et d'ailleurs, y'a du gain. Pour même si t'es le même si tu perds au premier tour du main event, tu gagnes de l'argent. Ouais. Comme ça, c'est un simple élim, mais au moins tu sais que si tu rentres dans le main event, t'es bien. Let's go. Alors, on va raid Benzaï, puisque c'est le frère d'Air Looters qui n'est pas là ce soir. Nul Black, et après, bon, chaîne de karaté, Ken, vous faites ce que vous voulez. Mais on va lancer le raid pour aller voir Benzaï qui est en ligne, qui est en direct, qui est en ligne. Allô, Benzaï. Il est avec nous en duplex. Voilà, ouais. Il est sur Zelda, évidemment. Donc on va aller voir notre frère Benzaï. Tu peux lancer ton meilleur sat insecte. Oui. Oui, le vrai Benzaï. Le vrai Benzaï. Qui en passe le salam, bien sûr. Voilà, on va aller voir Benzaï, tout simplement. Je vous lance la boucle de fin du chat et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao. Merci à tous. Bisous à cette pro. Jeudi. We'll be right back.